L'église orthodoxe patriarcale des nations, Exarchate de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses seaux. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur du couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. L'église orthodoxe patriarcale des nations, Exarchate de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses seaux. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur du couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube. 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. L'église orthodoxe patriarcale des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Maria Achia, la petite mère, Stella Mireille Achia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'église orthodoxe patriarcale des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Maria Achia, la petite mère, Stella Mireille Achia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'église orthodoxe patriarcale des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Maria Achia, la petite mère, Stella Mireille Achia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'église orthodoxe patriarcale des nations, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30.
L'église orthodoxe Patriacat Nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergius Pacromios Maria Chia, la petite mère, Stella Mireia Chia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'église orthodoxe Patriacat Nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergius Pacromios Maria Chia, la petite mère, Stella Mireia Chia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'église orthodoxe Patriacat des Nations, Exarchat de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses seaux. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 01 01 31 51 06, l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. L'église orthodoxe Patriacat des Nations, Exarchat de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses seaux. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 01 01 31 51 06, l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. L'église orthodoxe Patriacat des Nations, Exarchat de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses seaux. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateurs, le couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 01 01 31 51 06, l'école de mariage, Sainte Priscille et Aquila.
L'église orthodoxe Patriarcat Nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Maria Achia, la petite mère, Stella Mireille Achia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'église orthodoxe Patriarcat Nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Maria Achia, la petite mère, Stella Mireille Achia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'église orthodoxe Patriarcat des Nations, Exarchat de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur du couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. L'église orthodoxe Patriarcat des Nations, Exarchat de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur du couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. L'église orthodoxe Patriarcat des Nations, Exarchat de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur du couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. L'église orthodoxe Patriarcat des Nations, Exarchat de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur du couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. L'église orthodoxe Patriarcat Nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Maria Achia, la petite mère, Stella Mireille Achia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 0101 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. L'école de catéchèse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'église orthodoxe Patriarcat des Nations, Exarchat de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. La Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Tous les mercredis, de 21h30 à 22h30, prédicateur du couple Achia, en direct sur Facebook Live et YouTube, 0101 31 51 06, l'école de mariage, Saint-Priscille et Aquila. Ça, nous sommes à l'école de formation au mariage pratique orthodoxe Priscille et Aquila. Nous avons repris les cours depuis la semaine passée après la rentrée pastorale, dont nous débutons de nouveaux cours pour
des temps d'enseignement pratique, des temps d'enseignement à votre écoute, des temps d'enseignement qui touchent votre quotidien, des temps d'enseignement non pas théoriques, mais qui sont comme le ferment qu'on met dans la pâte, le levain qu'on met dans la pâte, qui tient compte de nos réalités. Commençons en partageant le fondement de ces enseignements-là, qui est encapsulé dans l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. Aujourd'hui, c'est moi qui vais décliner ces paroles angéliques de l'ange terrestre et de l'homme céleste Paul. Disons ensemble, si vous nous suivez, vous êtes accoutumés à tout ça, accoutumés de toutes ces choses. Paul dit en Corinthiens chapitre 13, verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et je disais à un monsieur qui veut marier une fille parce qu'elle est servante de Dieu, je lui ai dit, il y a une différence entre la servante de Dieu et l'épouse que tu vas avoir. Et c'est parce que Paul touche un peu. Verset 3 dit, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Et maintenant, il décline le fondement de cet amour-là auquel Dieu nous a perdu. L'amour est patience, plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne souffre point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Des rêves imaginaires, j'ai eu une dame que son mari doublait. Que son mari doublait. Oh, ça c'est... J'ai une affaire avec son mari et le monsieur, il prend l'argent, il met dans sa poche et les dettes, les clients, les prestataires ne sont pas payés. C'est vraiment douloureux. L'amour donc n'est pas malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. L'amour, quand il est décliné comme ça, quand il est vécu comme ça, quand il est chosifié par des sortes comme ça, l'amour ne périt jamais, dit Paul. Parce que tout passera, mais l'amour ne passera point. Alléluia. Donc, la grâce de la Théotokos, avec l'intercession de tous les saints, nous aide à vivre cet hymne-là, à décliner cet hymne-là, à le monnayer dans nos existences quotidiennes. Nous avons commencé un cheminement depuis, maman. Tu vas nous dire un peu les grandes tenues, les grands encornus, et puis voilà. Pendant ce temps, je vous exhorte à partager, à liker. Vous tous qui êtes là, il faut partager, il faut vous inscrire à ce temps de formation qui va guérir votre couple, qui va vous aider, et surtout ce type de formation en milieu africain. On est en direct, on n'a pas été coupé, je crois, Jules, c'est bon? Voilà, donc permettez que je salue un peu pendant que maman va nous guider. Aujourd'hui, nous allons marcher dans les pas de ce que maman va nous dire, parce que je veux qu'on l'écoute, parce que ces aspects-là, quand c'est mis en épingle, quand c'est affiché par la douceur, la voix candide d'une maman, d'une épouse, ça donne plus de résonance. Bénédiction à tous ceux qui se connectent. N'oubliez pas, tout à l'heure, vos noms vont être déposés avec l'intercession de Priscille et Aquila sur l'autel de la liturgie. Taguez quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Dites-lui que nous sommes en direct, nous avons déjà commencé. Nous attendons... On n'a pas de problème de connexion, c'est bon? C'est bon, voilà. Nous attendons que vous vous connectez au maximum, que la grâce de Dieu soit sur vous. Taguez quelqu'un, taguez un frère, une soeur, taguez un couple qui a besoin de ce moment-là, parce que nous allons vraiment commencer, nous allons démarrer. Maman, on va démarrer, on t'écoute. Alors, paix à tous, j'aimerais vraiment qu'on se connecte nombreux aujourd'hui. Nous ne sommes pas
très très nombreux. Est-ce que vous pouvez partager ce direct partout? Parce que depuis mercredi dernier, nous avons commencé à aborder un module très 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 important, un aspect important dans pour le bon fonctionnement de nos couples. Il s'agit du règlement des conflits. Et il n'y a pas de... Des palabres. Du règlement des palabres, des conflits dans les couples, dans les foyers. Et avec notre expérience dans la pastorale, nous avons dit ici, et même d'ailleurs tous ceux qui sont couples, mari et femme sont connectés, peuvent... Et même notre expérience de couple. Voilà, notre expérience de couple. Il n'y a pas de couple qui puisse exister sans qu'il y ait de tension, sans qu'il y ait de mésentente, sans qu'il y ait de malentendu. Mais Dieu nous appelle à former une seule chair, notre conjoint et nous. Et donc nous sommes appelés à régler ces conflits-là, à nous entendre pour pouvoir réussir notre mariage. Et mercredi dernier, papa, lors de cet enseignement magistral que tu nous as donné, tu as cité les problèmes qui étaient source de conflits dans nos foyers. Et je vais revenir là-dessus brièvement avant de commencer le thème d'aujourd'hui. On a dit en première position, il y avait l'argent. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, nous avons un peu parlé de ça. En deuxième position, nous sommes en train d'énumérer, pour ceux qui nous prennent en cours, d'énumérer les points qui font palabre, qui emmènent, qui sont des points qui sont souvent la base de problèmes, de querelles dans les couples, que nous avons vu la semaine dernière. Donc un bref rappel. En première position, nous avons vu l'argent. En deuxième position, les caractères personnels, les comportements, les caractères personnels. Par exemple, l'impolitesse d'une femme, la désobéissance d'une femme, l'insoumission, la violence d'un homme, le désordre total, les mauvaises habitudes. En troisième position, nous avons parlé des enfants. Surtout dans les couples recomposés, source d'incompréhension souvent entre les conjoints, nous avons parlé de la sexualité. Et enfin, contrairement à ce que les gens peuvent penser, nous avons parlé de la famille élargie, parce qu'en Afrique, lorsqu'il y a un mariage, comme on le dit coutumièrement, c'est les deux familles, le mariage ça se fait entre les deux familles. Et aussi il y a les amis. Voilà. Mais aujourd'hui, nous avons jugé bon de voir, puisque nous avons dit que dans le mariage, nous sommes appelés à nous unir ayant, avec nos différents caractères. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces caractères-là que nous avons. Parce qu'il nous faut parler de ces caractères-là et voir comment aller maintenant aborder tous ces différents problèmes et avec nos caractères, comment régler ces différents problèmes-là. Voilà un peu planter un peu le décor de alors, ce thème. Alors, merci, petite mère. Je vais saluer Florence, c'est son anniversaire aujourd'hui. Hier, c'était l'anniversaire de son époux. Florence, les deux se suivent comme oui, ça. Oui, ce sont des jumeaux. Florence, Achia, paix à toi. Donc aujourd'hui, toute l'émission repose sur ta capacité de mobilisation, Florence. Comme disent les Ivoiriens, joue rôle. Vous nous voyez souvent nos têtes abaissées parce que là, nous n'avons pas de retour. Voilà. Donc, Florence, merci de faire ce travail-là. Je vais saluer aussi Francisco Suzy. Voilà, ma Miss Élégance du côté de Paris. Francisco, en train de taguer Ariette, ça, c'est bien. Essayez d'activer ces personnes parce que ces sujets... On peut périr parce qu'il manque la connaissance. Il nous faut vraiment savoir que tout dans la vie s'apprend. Voilà, il n'y a que les Africains qui croient que les choses ne s'apprennent pas. Tout dans la vie s'apprend. On apprend. On apprend à être époux, on apprend à être épouse, on apprend à être mère. On n'est pas comme des animaux. Voilà. Et tout s'apprend, tout a besoin d'une éducation. Et c'est important qu'au cours de cette école de formation orthodoxe possible et Aquila, saupoudrer d'une bonne réalité et africaine et tenant compte aussi de l'expérience d'un couple qui est ensemble depuis plus de 20 ans, nous puissions partager toutes ces choses. Maman, tu vas commencer pendant que les autres nous rejoignent. Alors, comme nous le savons, chaque être humain est spécial. Tout être humain est spécial. Et dans le couple, nous venons avec nos différences liées à nos histoires personnelles, à ce que nous avons vécu, à notre vécu dans notre famille, avec notre bagage personnel. Nous venons avec ça dans le couple. Donc ce qu'il nous faut comprendre, c'est que l'unicité, la spécificité de chaque époux peut être source de conflit. Vous avez entendu, non? L'unicité de chaque époux. La spécificité de chaque époux, l'unicité de chaque époux. C'est la différence. La différence là. De chaque époux, déjà conflictuel. Voilà, c'est conflictuel. Les philosophes disent déjà, ça les gêne des conflits. Voilà. Mais ça peut aussi apporter de la variété
hein, ça peut apporter du piment, ça peut apporter de la découverte, ça peut être quelque chose qu'on peut mettre à profit, hein, ça peut être passionnant, on peut le dire ainsi. Parce que la monotonie risque de s'installer dans le couple si les conjoints ont la même idée sur tout, si les conjoints pensent de la même manière, si les conjoints voient tout de la même manière. Ça peut, la routine peut s'installer, il peut y avoir de la monotonie dans le couple. Ça. Et ça peut ne pas être intéressant dans le couple. Si, si. Voilà. Et nous avons dit ici que, hein, tu as donné l'image la dernière fois, tu nous as dit ici que le couple est une équipe. Le couple est une équipe. Or, la particularité de l'équipe de football. Voilà. Le couple est à l'image d'une équipe de football. Or, ici, la particularité de l'équipe de football, hein, pour que l'équipe soit performante, chacun doit être à un poste. N'est-ce pas? Chacun doit apporter ce qu'il a. Chacun doit apporter son point de vue pour le bien du couple. Par exemple, une équipe de football ne peut pas être efficace si tous les joueurs sont à la défense. C'est le bel exemple que tu nous as donné. Par exemple, il n'y a pas d'attaquant. Et ils sont tous des défenseurs. Mais bon, l'équipe ne va pas être performante. Et il y a aussi l'image. Il faut suivre, il faut écouter ce que la petite mère vous dit ce soir. C'est tellement important. Le temps de saluer Noué Fallon, paix à toi. De saluer encore. Ah, Florence est en train de s'activer. On sait que c'est ton anniversaire. Francisco Suzy suit. Et ça fait deux séances, je ne vois pas. Kanye a fait l'école buissonnière. Waouh. Kanye a fait l'école buissonnière. Elle n'est pas connectée ces derniers temps, ni son mari, ni elle. J'ai sa voix. L'enfant n'a pas encore trois mois déjà, vous faites l'école buissonnière. Faites attention, hein, parce que là, il y a le revers du retour de couche. Donc faites attention. Oui, maman, continue. Alors, on a aussi donné l'exemple d'une entreprise, hein? Une entreprise dans laquelle il n'y aurait seulement que des chefs, des décideurs, il n'y a pas, par exemple, de commercial qui va aller au contact des autres. C'est Mais ça. Cette entreprise-là, elle est, on connaît son sort déjà, elle va être vouée à l'échec. Et pas de comptable, pas de comptable tout le monde est secrétaire, tout le monde est secrétaire de l'entreprise. Oh Seigneur, imaginez comment ça va être, tout le monde va s'asseoir pour attendre des ordres pour saisir quelque chose. Dito Dent aussi joue rôle. Je sens dans mon esprit, je vais prier pour quelqu'un qui a un souci avec un terrain. Déjà, pendant que maman est en train de nous décliner cet enseignement merveilleux, tu as un souci avec un terrain. Je vais prier pour toi. Tu as un souci avec un terrain et ton conjoint a mis aussi de l'argent, c'est source. Ça peut être source de conflit. Actuellement, tu es perturbé par ça. Et c'est comme si tu as fait que la famille, le couple, investit dans quelque chose qui ne soit pas bon. Je prie pour toi. Je veux que tu réagisses. Est-ce que Audrey est là pour prendre Audrey et Jeannette? Tu as un souci avec un terrain. Et je prie pour toi. Réagis vite. Et ton conjoint a mis de l'argent dedans. Et vraiment, tu es perturbé par rapport à ça. Dieu prend ce souci-là. Et il te donne la paix. Et je veux que tu réagisses. Quand tu donnes ce qu'il faut faire. Serge Olivier, bonjour, réagissez. On est seulement qu'à 20 connectés. Ce n'est pas normal. Alors que vous êtes là, tagué, appelé, réveillé, et puis jouer rôle. Maman, continue. Alors, souvent, quand on écoute les conjoints, hein, quand on dans les écoutes, quand on écoute les couples, les conjoints, on entend l'autre dire non, il est différent de moi. Vraiment, il est différent. On n'a pas la même manière de voir, on n'a pas les mêmes caractères. Il nous faut savoir que de manière inconsciente, nous sommes attirés par les personnes qui peuvent nous apporter quelque chose qui nous manque. Pourquoi? Parce que c'est une loi de la nature, ce sont les contraires qui s'attirent. Donc de façon inconsciente, déjà nous sommes attirés par des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose qui nous manque. Mais ce qui se passe, c'est que au moment où on fait la rencontre avec notre époux, au moment des saumons, comme le disent les Akans, au moment où c'est doux, là, au moment de la lune de miel. Ouais, on a akanisé une gourou. Voilà, elle est venue à Akan. Au moment de la lune de miel, au moment où vraiment l'amour est passionnel, l'amour est vraiment fort, là, on voit ces différences-là, mais ça ne nous choque pas. Ça ne nous émeut pas, ça ne nous frustre pas, ça ne nous vexe pas, ça vraiment on fait avec, voilà. Mais quand on rentre dans le foyer et que les années commencent à passer et que la routine s'installe, c'est là que ces différences-là ressortent le plus, c'est là qu'on se rend compte plus
que par exemple, il a tel comportement, il fait ceci, ces choses Alléluia. Qu'on a pu voir. C'est des choses qu'on a pu voir, mais sur lesquelles on est passé. Hein, parce qu'à ce moment-là, bon, on venait de se rencontrer, on voulait vraiment être ensemble et tout. Et c'est quand on rentre dans le foyer maintenant qu'avec le temps, ces différences-là posent problème. Alors que c'est à ce moment-là qu'on doit chercher à s'adapter au comportement de l'autre. Si on s'aime vraiment, et si, comme le dit notre texte, notre feuille de route en 1 Corinthiens 13 que nous lisons toujours, si nous suivons vraiment cette feuille de route-là, si nous aimons vraiment, c'est là que nous devons chercher à nous adapter au comportement, au caractère de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on tente d'empêcher l'autre d'exprimer son caractère. On va essayer d'embrigader l'autre, on va essayer de l'empêcher, de le museler, de l'empêcher d'exprimer son caractère. On veut obliger notre conjoint à penser comme nous, on veut l'obliger à réagir comme nous. Voilà. Et on va lui faire de plein de reproches et ce sont là des conflits. On va exiger par exemple à notre conjoint de passer la raclette dans la douche. Ça c'est nous autres, on ne fait pas ça tout ça là. On va lui exiger de passer la raclette dans la douche, d'enlever la mousse de savon sur les murs dans la douche, de laisser la douche propre, les toilettes propres, de ne pas déposer la serviette mouillée sur le lit. L'autre aussi va trouver que par exemple le conjoint ronfle trop, alors que bon, au début il ronflait trop, ça ne nous gênait pas. C'était une musique. Voilà, c'était une douce musique. C'était une berceuse pour nous. Au début, c'était une berceuse pour nous. Là, maintenant, on trouve que il ronfle trop. On trouve qu'elle est trop maniaque. On trouve que l'autre est trop désordonné. Donc, vous avez compris ce que moi j'essaie de dire. Toute la création fonctionne selon le principe de la dualité. Le jour, la nuit, homme, femme. Voilà. C'est ça le principe de la vie. Et cela s'intègre aussi dans le mariage. Et comme elle a dit la dernière fois, si tu as cité Zupéry, si tu diffères de moi, loin de mes désirs, tu m'enrichis. Et c'est contraire, là, au début, nous a-t-il de manière inconsciente. Oui. Mais c'est dissous dans l'amour, on ne peut pas attention. Mais nous sommes attirés par quelque chose. Par quelque chose. Donc c'est nous ça avons qui besoin. Nous attire, dont nous avons besoin, qui nous manque. Et quand on se met ensemble, à un moment donné, quand. Ce qui est, je ne dirais pas superficiel, mais ce qui est de l'amour, du vernis ou bien du parfum s'en va et que les véritables odeurs se sentent maintenant, on peut avoir un problème d'adaptation. Oui. Où ces odeurs ne sont pas mauvaises. Tout est une affaire de maturité, de maturation et de compréhension. Et c'est ça qui peut faire souvent le problème. Voilà. Et c'est là que cette pensée, le fait de la différence qui nous enrichit, on peut naturellement voir ça comme un obstacle d'épanouissement. Et c'est là que la grâce de Dieu, la grâce de la conversion, par l'humilité, par la simplicité, par l'obéissance, sont très, très importantes. Et c'est là qu'on doit être d'accord sur ce pourquoi on s'est marié. C'est ça. Voilà. Ce que soit les élucubrations des hommes, « Ah, moi, je m'en vais aujourd'hui, là, je ne vais pas. » C'est ça qui ne peut pas toucher au noyau. Quel que soit les comportements des femmes, il paraît qu'il y a une femme, c'est une histoire imaginaire, il paraît que c'est vrai, qui s'est levée, je dis, je quitte la maison là, c'est trop là, je quitte. Et puis elle prend ses affaires, mais c'est d'accord, va. Et puis elle sort, tape la maison. Et puis elle est devant, elle est assise devant la porte. Aïe, 21h, 22h, lui aussi n'est pas tranquille. Hein? Donc elle dit, mais maintenant, elle tape, il vient ouvrir. Donc, attends, quand il dit, je quitte là, toi aussi, tu me laisses devant la porte comme ça. Ah non, mais comment il te laisse devant la porte? Moi, il voulait venir te chercher. Bon. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Vous savez, quand vous ne savez pas pourquoi vous êtes ensemble. C'est ça. Quand vous ne savez pas pourquoi vous êtes ensemble, il y a un souci. Voilà. Tout d'abord, c'est pas pourquoi vous êtes ensemble. Je dis à ma fille aujourd'hui, notre fille, elle a dit, ah, elle va se marier dans 5 ans parce qu'elle aura beaucoup d'argent. Il dit, tu vas ça te tromper parce que le mariage, c'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de la grâce de Dieu. Et c'est une affaire de vraiment d'amour et de simplicité. Maman, continue. Tu as parlé tout à l'heure d'un noyau auquel on ne doit pas toucher. Voilà, c'est très important. Il y a un noyau auquel on ne doit pas toucher. Vous pouvez me donner le chaud de mon café un peu, s'il vous plaît. Si nous disons que nous savons, si nous savons pourquoi nous nous sommes mis ensemble, et que nous sommes véritablement chrétiens, que nous sommes animés par des sentiments d'humilité, de patience, de simplicité, c'est des choses. Alors, maman, attends, j'ai répondu à quelqu'un qui m'envoyait un message là. Je vous dis, parce que souvent, regardez mon visage, il se passe ça, hein? Voilà.
La personne avec qui je fais le plus parler, c'est elle qui est là. Et puis, elle dit, un jour, on ne peut pas parler. Enfin, moi, je ne peux pas parler, mais toi, tu ne peux pas parler. Hein? Mais, donc, mais, la personne aussi qui est plus importante que et ça, ça fait souffrir ma propre maman. Parce que, ma maman, vous êtes les femmes à nier à quand? C'est-à-dire, dans la mentalité d'Akan, elle ne comprend pas que l'enfant peut dire qu'il aime sa femme plus qu'elle. La femme Akan ne comprend pas ça. Si vous avez des mamans Akan, vous savez de quoi je parle. Ok. Parce qu'elles s'occupaient de leurs fils et nous autres, on était des bébés ronds, tout beaux. Donc, on s'occupait de nous, on nous prenait pour mettre sur les chars des indépendants, tout ça là, on nous portait bâtard. Je suis bâtard, etc., etc. Mais, elle a dit le noyau. Voilà. Et c'est quoi j'ai dit à un couple. Vous allez, si vous voulez battre, vous mordez vous. Hein? Mais on reste dans ça là. Il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan C, il n'y a pas. Vous êtes dedans. Voilà. Vous êtes tourné, toi vous êtes dedans. Parce qu'il ne faut pas, c'est pas. Voilà. Donc c'est très très important. Et quand vous allez commencer à réfléchir comme ça, vous partez, vous revenez. Vous partez, vous revenez. Vous tournez. Voilà. Et c'est là qu'il y a des mécanismes. Voilà. Et comme maman t'a dit, il faut s'adapter. Hein? Il y aura des tensions, il y aura des différences, mais tout ça va nous enrichir. C'est pas ça, maman? Oui, très très important. Donc, beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, beaucoup de sagesse. Et avec la grâce de Dieu et la prière, hein, on peut y arriver. Donc, je disais que les conflits, on est en train de parler des sources de conflits. Lorsqu'on veut forcément imposer à l'autre de s'adapter à notre comportement, ça crée des conflits. Alors qu'on peut là faire en sorte que ces différences nous soient profitables. Mais on peut aussi vouloir, maman, que l'autre s'adapte à nous. C'est vrai que d'autres, souvent, c'est pas de manière égoïste. C'est souvent les femmes qui font ça. Parce que les femmes aiment uniforme. Dans un monde imaginaire, quelqu'un qui est né après évêque avec une barbe noire, avec un chapeau, peut-être qu'il fait une émission. Il a souffert, il comprenait pas. Il faut qu'on porte une uniforme. Si vous me regardez, c'est de qui il s'agit? C'est qui trouve un cadeau. Mais la femme ne peut pas ça parce qu'elle, elle aime tout ce qui est assorti. Mais l'homme, bon, vous voyez, non, souvent, cette différence-là, la personne ne peut pas ça pour nuit. Elle peut faire ça peut-être parce qu'elle a vu ses parents faire. Elle veut faire ça assorti. C'est pas toujours fait de mauvaise foi, voilà, en fait. Pas toujours fait de mauvaise foi. Voilà. Et mais pourtant, ça peut. C'est pourquoi il faut vraiment après. Il faut avancer. Mais ça aussi, je vais dire aux couples, aux jeunes couples, ne soyez pas trop aussi exigeants envers vous. Vous n'êtes pas encore des saints. La seule chose, c'est qu'on reste dedans. Et puis après, on avance. Le seul problème, ce sont ceux qui refusent la guérison, hein, le dépassement à cause de l'orgueil, et puis qui vont jusqu'à poser des actes attentatoires au mariage, tels que les tromperies, des enfants au dehors. Une femme peut souvent se donner les tromperies, elle peut dépasser ça. Mais quand tu vas faire un enfant, ça dit qu'il y a une extension du mariage que tu as créé. Tu veux pas la femme là derrière dans le mariage. Ça c'est terrible ça. Et c'est comme si vous ne comprenez pas ça, c'est terrible. Voilà, parce que les femmes pardonnent. Hein? Donc c'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et puis quand tu es une femme aussi qui ne trompe pas ton mari, parce qu'un homme, n'oublie pas ton péril. Ça, il faut te blaguer aussi pour ça. Voilà. Ok. Et puis, maman, continuons. Oui, donc, faire de telle sorte qu'on puisse s'enrichir de nos différences. On n'est pas nombreux. Réagissez vite, voilà, réagissez vite. Continue, maman. Il faudra faire en sorte que nous puissions nous enrichir de nos différences. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir 5 types de personnalités. Nous allons essayer de décrire 5 types de personnalités. Nous allons décrire ces 5 types de personnalités. Chacun pourra se reconnaître dans ces 5 types de personnalités, ces 5 catégories que nous allons décrire. Et nous allons voir aussi, chacun va essayer de voir le degré de différence qu'il a avec son conjoint. Voilà. Et le plus important, c'est de voir comment ces contraires-là peuvent se compléter. C'est ça. Nina Nyaoré, sois béni. Maintenant, déjà, je vais vous poser une question. Maman et moi, vous nous mettez dans quelle catégorie déjà? Essayez de trouver. Mettez-nous dans quelle catégorie? Voilà, quelle catégorie, maman et moi? Maman et moi, vous nous mettez dans quelle catégorie? Voilà, essayez de trouver ça. Ça va. Déjà, je vais voir si vous connaissez vos parents. Mettez-nous dans quelle catégorie?
Non, mais si vous trouvez ça, je vous donne un petit bonbon. Voilà. Bon, c'est maintenant, ça passe en direct, je crois, ce que je viens de dire là. Allez, Tiako, bonjour à toi. Likez, continuez de liker, de mettre des cœurs, voyez. On n'est pas assez. C'est vrai que vous réagissez en disant des shalom, Angela Capé, c'est bon, mais si vous ne likez pas, vous ne mettez pas des cœurs, il n'y a pas de réaction. Les algorithmes de Facebook et de YouTube, on est sur YouTube aussi? Non, on est souvent sur Facebook et on n'a que 31 connectés, c'est pas bon. Voilà, c'est Audrey qui se réveille maintenant que j'ai fini de boire le café. Hein? Donc il est bon, mettez les cœurs, mettez les pouces, réagissez vite, vous savez comment ces choses-là fonctionnent, et partagez dans des groupes. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a déjà partagé, là, qui m'a montré, il dit des choses tellement puissantes, tellement fortes. Et il n'y a que les femmes pour mieux expliquer les différences. Les hommes, là, souvent, bon. Voilà, les femmes. Donc, maman est en train de vous dire, les problèmes peuvent venir de toutes sortes d'horizons. Des problèmes assez bizarres. Hein? Mais si on sait savoir quel est le type de personne avec qui on vit, on peut déjà essayer de ramasser ces problèmes-là. Non pas, on peut ne pas gérer les choses, non pas par rapport aux problèmes. Hein? Parce que ce sont des personnes qui règlent des problèmes. C'est ça. Hein? Le problème là, ce ne se règle pas comme un devoir extérieur. Le problème se règle avec les émotions, les caractères, les personnalités. Ce sont les hommes qui règlent des problèmes. Ce sont des mariés qui règlent des problèmes. Et quand on comprend quel type d'homme on a en face, on sait comment épouser, comment régler les problèmes. On sait comment gérer les conflits. Donc voilà. C'est un point très très important dans notre module, la gestion des conflits dans le foyer. Si. Quel type d'homme tu as marié? Donc je répète, moi-même, vous nous mettez dans quelle catégorie? Hein? Vous nous mettez dans quelle catégorie? Gisèle Cassia, tu m'as écrit, mais sur quoi? Sur quel truc? Il faut réagir en direct. Bon, il y a quelqu'un qui dit, maman cite les catégories et puis ensuite on va trouver vite. D'accord. Ça, c'est Flo. Donc je donne les 5 catégories. Hein, je vais les citer plus tard. Premier type, il y a les personnes extraverties. Ça, Florence, c'est dedans, extraverties. Introverties. Il y a Jean. Couple de personnes extraverties et introverties. Jean, Florence est extravertie, Jean est introvertie. Ah, Florence et Jean sont dans cette catégorie. Maintenant, souvent, ce qui peut créer des petits soucis, c'est qu'elles ont le même caractère, souvent. Mais en fait, ils ne sont pas assez découverts. Prenons un cas. Puisque là, vous savez, on traite sur des cas concrets, on n'est pas dans les rêves. Hein. Ouais. On a une famille dont on se connaît, nous sommes les parents de multitudes. Par exemple, Kania et son mari. Kania donne l'expression d'être extravertie et son mari d'être aussi extraverti. Tu comprends, non? Donc, ça peut donner des caractères identiques, qui peuvent être des frictions. Mais quand tu regardes bien dans le fond, tu vas trouver que Kania, souvent, elle est un peu timide. Elle est un peu introvertie. Elle est un peu introvertie. Elle est un peu timide. Voilà. Et quand tu regardes à l'extérieur, tu as l'impression que son mari est plus calme, mais au contraire, il est plus extraverti. Okay. Voilà, il y a quel couple qu'on peut prendre? Bon, je cite, Maman, tu vas nous dire un peu c'est quoi la catégorie. Bon, tu demandes, on nous met dans quoi? Donc, oui, je cite tout, et puis bon, on va voir si tes enfants s'y connaissent quand même. Hein? Non, comment déjà comme tu as. Donc, tu nous as dit. Personne introvertie, extravertie. Qu'est-ce qu'il est? Et les personnes, on en parle déjà? Si, vas-y. D'accord, ok. D'accord. Alors, la personne extravertie, hein, c'est une personne qui aime le contact des autres. Boum! Elle aime le contact des autres. Elle aime la compagnie des autres. Hein? Elle se sent bien dans les fêtes. C'est la personne qui... Et suivez mon regard. Hein? Ouais, maman m'a dit par exemple que moi j'aime manger au dehors. C'est-à-dire à la maison, je dis je ne peux manger pas telle chose. Quand on arrive au dehors, c'est moi qui mange. C'est la personne qui ne veut pas laisser partir des gens. Par exemple, quand il y a une réunion, il se fait tard, les gens veulent rentrer. Non, mais restez encore, mais on n'a pas encore qui retient les gens. Elle se sent bien dans les fêtes, elle se sent bien dans les lieux publics, elle se sent bien dans les fêtes publiques. Elle a besoin de parler, de s'ouvrir. Cette personne a besoin de parler, de s'ouvrir pour mettre de l'ordre et de la clarté dans ses pensées elle-même. La personne extravertie, c'est la personne qui exprime à haute voix ce qu'elle est en train de penser maintenant. Donc, vous allez voir que cette personne extravertie, comme dirait quelqu'un, ça sort comme ça sort. Voilà. Vous faites très attention. Ces personnes sont des personnes qui peuvent souvent émettre des pensées à haute voix. Je cherche l'expression. Elles peuvent penser à haute voix. J'aime ça va me revenir. Ok, donc c'est ça. Elles pensent à haute voix. Elles sont spontanées. Voilà, continue.
elles expriment leurs pensées, ce qu'elles sont en train de penser maintenant à haute voix. Hein? Ces personnes-là peuvent souvent apprécier être seules, mais pas longtemps. Hein? Pas longtemps, parce qu'elles ne supportent pas la solitude. Voilà, c'est comme si cette personne a besoin du monde extérieur pour avoir son de l'énergie. Okay. Voilà, ça c'est la personne extravertie. Et, par contre, la personne introvertie, contrairement à la personne extravertie, elle puise son énergie dans ses pensées et dans ses réflexions. Elle est beaucoup intérieure, elle vit comme dans un monde intérieur. Cette personne-là peut être gentille. Hein? Elle peut être gentille, elle peut être aimable, elle peut être charitable, elle peut se soucier des autres, mais elle n'aime pas trop... Ça l'épuise, trop de contact. Voilà, contact extérieur, trop de contact avec les gens, ça l'épuise. Cette personne préfère par exemple avoir quelques amis, pas beaucoup d'amis, quelques amis proches. Elle préfère aussi souvent rester chez elle que de sortir. C'est une personne qui ne rend pas beaucoup visite, par exemple, qui est souvent ses quatre murs chez elle. Voilà. Pas trop les fêtes. Voilà. Quelqu'un qui est beaucoup... Silence réservé. Silence, qui est réservé, qui organise ses pensées avant de les exprimer. Alors, donc, vous voyez que, par exemple, prenons un cas d'espèce. Nous sommes, par exemple, un couple pastoral. Donc, vous voyez que... Et vous nous mettez d'abord dans quelle catégorie, maman et moi? Réagissez vite. Il y a André Kofi qui dit... Maman est introvertie et papa est extraverti. Elle est derrière la scène. J'ai dû travailler pour que votre maman elle s'exprime aujourd'hui là. Même quand ses parents l'ont vu prêcher, waouh, c'était. Ah donc, mais parce qu'elle a ça en elle, parce que souvent on se trompe. Dans l'introvertie, il y a l'extraverti. Et c'est quoi? Ce sont les contraires qui s'attirent. Voilà, ok. Mais là où c'est intéressant, c'est que regardez notre cas d'espèce. Nous sommes un couple pastoral. Et c'est ça qui a fait notre chance. Et parce que maman était introvertie, elle accueillait les gens. Elle ne parlait pas à tue-tête, elle ne faisait pas parler avec les filles qui sont souvent très nombreuses dans le ministère. Et d'autres personnes venaient et agissaient un peu comment. Et ça, c'est important. Mais aussi, quand on est introverti aussi, ça peut être aussi un frein. Voilà, où la personne peut ne pas vouloir... Et se mêler, et ça aussi, ça peut être source aussi de beaucoup d'incompréhension, de communication, parce que là, quand on est jeune et qu'on n'a pas tous les réflexes de la maturité qu'on a aujourd'hui, on peut interpréter ça comme un manque d'engouement, un manque d'engagement, et ça peut créer un problème. Mais maintenant, on l'a vécu, et je viens là-dessus parce que. Moi, quand j'étais en train de préparer l'enseignement... Alain, tu as cru que papa est extraverti? Ah, si. Quand je préparais l'enseignement, effectivement... Mettez des cœurs. Je me suis retrouvée dans la catégorie des personnes introverties. C'est vrai qu'on le disait, mais quand j'étais en train de vraiment préparer l'enseignement, je me suis retrouvée là-dedans. Parce que déjà, très jeune, j'étais la personne qui, à la maison, quand j'avais fini de faire tout ce qu'il y avait à faire comme travaux ménagers, tout de suite, j'étais dans ma chambre. M'asseoir devant la télé en public avec les gens. Au point où mes parents trouvaient que j'étais un peu bizarre, que je n'aimais pas le contact des gens. Alors, que tu es orgueilleuse. Voilà, qu'elle est orgueilleuse, qu'elle n'aime pas les autres. Mais par contre, ce n'est pas que la personne est méchante. Voilà, la personne peut être généreuse, elle peut être gentille, accueillante et tout, aimable. Mais on peut mal interpréter ça. Moi, je sais que ça a été un véritable souci pour moi en famille, quand les gens venaient, vous voyez les familles de l'Ouest. Et même dans le ministère. Même dans le ministère, oui. Dans le ministère, j'ai vu que c'était interprété à tort. À tort même, tu te souviens quand je présentais mon mémoire de troisième cycle. Il y a mon professeur, mon directeur du jury, qui avait fait une petite analyse comme ça où il y a quelqu'un qui a dit, ah, c'est... Elle est, on parlait de comportement, qui disait qu'elle est calme, elle est... Mais lui, il a eu à dire, mais est-ce que ça ne cache pas... Je ne sais pas si tu te souviens, ça ne cache pas quelque chose d'autre. Elle présente ce caractère-là, mais est-ce que ça ne cache pas quelque chose d'autre par rapport à quelque chose que je t'avais dit. Tout le monde est truc que papa est extraverti, maman est introverti. Papa est extraverti, maman est introverti. Josiane Bitoden. Josiane, toi, ton extraverti, là, Josiane Bitoden. Ça dit toi, là, je... Aïe! Le comportement que toi tu as là, c'est pas extraversion. Hein? Ton mari est introverti, je peux comprendre. Toi, tu es extraverti. Elle est introvertie. Ou bien c'est moi qui. Ah non, non. Ah non, pardon, Josiane, plutôt donner là. Elle dit, elle est extravertie. Mais elle n'est pas trop accompagnée des gens.
Non, 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 non. Non, toi, tu n'aimes pas trop l'hypocrisie des gens. Voilà, parce que les personnes extraverties n'aiment pas les gens fausses aussi. Voilà, ok. Elles aiment organiser des fêtes, elles aiment l'organisation, elles aiment. Voilà, donc c'est pas. Mais le ministère pastoral, c'est aussi important. Hein, que la femme qui accompagne le serviteur de Dieu soit un peu souvent en réserve, soit un peu. Surtout que c'est un nouveau monde qu'on apportait. Voilà. Et le caractère introverti, si vous ne savez pas, vous pouvez avoir l'impression que votre mari ou votre femme n'est pas peut-être assez. C'est tous ceux qui font des affaires. Un mari ne m'accompagne pas, vraiment, il ne s'engage pas. Non, c'est son cas. Il est prudent. Voilà. Comme il y a des couples où la femme veut forcer à faire des affaires, mais le monsieur, lui, il est prudent. Voilà. Il y a des couples où le monsieur est introverti, la femme est extravertie, etc. Voilà. Alors, maman, comment un couple dans lequel nous avons une personne introvertie et l'autre extravertie peut tirer profit de cette différence-là? Voilà, non, c'est ça. C'est ça, la question fondamentale qu'on doit, que nous devons nous poser, hein, qu'on doit essayer de résoudre. Comment est-ce que ces deux caractères-là peuvent se compléter? L'introverti, comment est-ce que la personne introvertie et la personne extrovertie dans un couple peuvent se compléter pour réussir leur couple? Voilà, s'entendre et gérer le conflit. Et gérer le conflit. Voilà. Par exemple, la personne introvertie va apprécier, par exemple, hein, elle va, même si ce n'est pas son caractère, elle peut apprécier, par exemple, la facilité avec laquelle son conjoint est extraverti. Son conjoint extraverti a le contact facile. Tisse facilement des relations. Voilà, tisse facilement des relations. Comment est-ce que son conjoint qui est extraverti arrive vraiment à trouver solution à tout, à vraiment avoir le contact facile, quoi? C'est qu'elle n'arrive pas à faire. Même si tu n'arrives pas à faire ça, moi j'apprécie ça chez toi. Hein. C'est-à-dire, voilà. L'extraverti, oui. D'abord, si vous voulez donner un exemple public, c'est Josué, c'est Pierre. Voilà. L'introverti, c'est Jean. C'est Jean. Voilà. C'est Jean. Et c'est Caleb. Et c'est Caleb. On va dire aussi que c'est la Vierge Marie. Voilà, ouais, la Vierge Marie. Oui. Ok. Voilà. Donc, l'extraverti, c'est le Saint-Esprit. L'introverti, c'est Jésus. L'introverti, c'est Jésus. C'est Jésus. Ok. Ah bon? Donc, cela voilà, très important. Je disais que la personne est introvertie peut apprécier la facilité que son contact qui est extraverti a de nouer son conjoint qui est extraverti a de nouer les contacts, a la facilité de tisser des relations, garder les relations. Ça, c'est quelque chose d'important. Et à l'inverse aussi, le conjoint qui est extraverti peut apprécier aussi l'attitude posée, hein, de son conjoint introverti, son attitude posée, son calme, sa sérénité. Voilà. Au lieu de faire des reproches dans le genre, tu parles trop, c'est toi qui es toujours chez les gens. C'est l'introverti qui dit ça. Voilà, c'est l'introverti, naturellement. Voilà. Je suis en train de nous dire ce qu'il ne faut pas faire. Il faut nous enrichir de nos différences. Okay. Il faut apprécier. Par exemple, moi, j'apprécie chez toi le contact que tu as facilement, la facilité que tu as à trouver des solutions quand il y a quelque chose qui est bloqué. Cette facilité que tu as. Mais souvent, hein, souvent, il m'est arrivé de dire un peu comme tu as dit tout à l'heure, là, que tu manges toujours. Elle dit, je mange. Tu as dit que... Ça, c'est le côté femme qui veut commencer sa nourriture. Non, mais, pas forcément. Mais il y a un aspect quand même. Non, pas forcément. Il y a un aspect aussi de protéger. Hein. Oui, je sais. À un moment, il y a un aspect de protéger. Mais cette facilité d'ouverture à tout le monde, là. Et c'est là qu'en Afrique, la femme, si elle est introvertie, c'est mieux parce qu'elle peut protéger son mari. Voilà. Elle surveille, fait attention, elle sait. Alors que toi, tu ne regardes pas. Alors que l'homme, surtout un certain de Dieu, c'est un homme de relation. Oui. Voilà, vous savez. Tu peux refuser un verre d'eau, tu peux refuser de goûter à un mets. C'est parce qu'aujourd'hui, les choses sont devenues, les gens sont devenus très méchants. Et c'est comme ça qu'on noue les gens. Quand on a commencé à évangéliser, il y a des peuples en Côte d'Ivoire où tu vas, on te sert par exemple du dolo, ou bien du bangi, et puis d'un cop. Oui. Il y a, tu vois, mouche, tu vois une mouche dedans. Ça passe dans plusieurs mets. Et il prend la mouche, et puis il en a la mouche, et puis. Il suce la mouche, il jette. Le gars même qui boit pour te donner la cope là. Pour enlever le poison. Tu vois le dagbe même dans ça. Tu sais ce que c'est le dagbe? Le dagbe. Un gars dagbetisé.
et puis boire, puis il est content. Ouais, les affaires sont les jambes de contact. Ouais. Voilà. Si tu es introverti, tu as dit non. Voilà. Mais si tu es extraverti, tu vas boire. Oui. On a eu un cas comme ça où on est parti faire une évangélisation à Bengourou. Et une de nos sœurs, justement, était accompagnée quelqu'un. Et le responsable de la zone, tellement content de l'évangélisation, mm-hmm. avait aussi beaucoup d'argent, puis beaucoup de monde. Donc il a sorti son grand vin. Mm-hmm. Vous savez qu'un un responsable d'une paroisse, celui qui vient après l'évêque, sort son meilleur vin, c'est qu'il vous estime, veut nouer quelque chose. On est parti d'abord aussi pour nouer des partenariats. Il a sorti le vin, il dit, ah vraiment, et Achia, il a travaillé, vraiment, je vous sors mon meilleur vin que j'offre aux évêques, on va boire ça ensemble. Et la sœur dit, non, moi non, on ne boit pas, non, on ne boit pas. Mm. Donc, quelques temps après, je rentre, je vois que l'atmosphère est un peu bizarre. Voilà, Dieu merci, il y a une sœur, hein, Marina, qui comprend et que coup me dit, je suis venu pour ne pas rattraper, mais on dirait qu'elle a gâté un peu. Mm. Voilà. Et alors, moi qui comprends, moi je saute dessus, je m'assois et je dis, mais attends, comme c'est un ami, mm-hmm. je suis ami aussi, donc je dis, mais attends, moi je me lève pour partir de cette maison-là. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais depuis là, s'il n'y a pas de vin, comment dans une maison d'un ami? Non, mais c'est pas la peine. Donc je crée un petit scandale là, donc il commence à rire, mais ah, mais c'est sorti le vin, on dit, non, mais toi aussi, mais les femmes ne boivent pas, tu sais que ça, c'est nous là. Sors, mais où est le meilleur vin? Où viens-tu? Et ça fait que ça crée une bonne ambiance et ça nous a bénis. Mm-hmm. Voilà, mais il y a un aspect. On peut croire que les personnes introverties ne sont pas extraverties. C'est une erreur. Parce qu'il y a souvent même des situations où vous allez voir que la personne introvertie va prendre les décisions. Mm-hmm. J'ai vu un monsieur, la femme était calme, introvertie. Le monsieur a eu un problème de terrain. Il a fait la prison, l'a mis en prison. La femme calme. Mais quand j'ai vu comment elle a pu aller voir le procureur, voir les policiers, négocier, voir prendre le dossier, son mari n'aurait jamais pu faire ça. Et le monsieur a été libéré. Oui. Alors je lui ai dit, mais ouh, mais tu as des capacités extraordinaires. Voilà. Et c'est un peu ça. Vous voyez, il y a des choses. Donc c'est un peu ça. Et vice versa. Nathalie Koulibaly, paix à toi. Mais mettez des cœurs et des likes. Vous voyez qu'on n'avance pas beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde dort. Léontine de Bonneville. Elle dit beaucoup introverti. Maintenant, maman, peut-être on va. Au type 2. On va aller au type 2. Donc, vous avez compris, non? Et ça doit jouer dans le conflit. Voilà. Votre mari peut être extraverti. Donc, il y a une situation où il peut être énervé. Il parle. Vous restez calme si vous êtes introverti. Voilà. Si vous êtes extraverti aussi. Puis, quand vous êtes introverti aussi, souvent aussi. Il peut y avoir des onomatopées. Onomatopées. Et ça, c'est très typique des gens de l'Ouest. Et ça, c'est énervé. Pourquoi vous l'avez toujours catégorisé? Hein? Non, parce qu'il y a des peuples qui sont extravertis. Ça aussi, il y a une dimension sociologique aussi de ça. De façon naturelle. Voilà, de façon, on ne peut pas dire naturelle, mais c'est un peu le trait culturel. Mm-hmm. Oui, par exemple, nos frères BT s'expriment. Voilà, nos frères de l'Ouest s'expriment. Lacan, il est plus, même pas introverti, un peu sournois. Voilà, on va dire introverti. Parce qu'un baoulé, chef, ne parle pas beaucoup. Vous voyez, non? Voilà. Et il ne parle pas beaucoup, il est calme. Et d'ailleurs, il ne parle pas en public. Il est un chef, il est quelqu'un qui parle à sa place. Ok? Donc, souvent, il y a ce type de réalité aussi, où les gens sont. Mais il faut connaître les différents types. Et puis, il faut faire très attention. Ça peut créer, mettez des cœurs. Quand on a en face une personne qui est introvertie aussi, parce que les personnes introverties sont des personnes très sensibles. Très sensibles. Voilà, quand on est dans une personne introvertie, une personne extravertie. Elles sont des éponges. Voilà. Si c'est un baouleux qui est introverti, mon Dieu, hey! Ou bien un agneau introverti. Oh, qu'est-ce qu'il y a qui casse tout là? Audrey! Maintenant, il y a Serge-Olivier Kechatu qui pose une question. Mm-hmm. Il dit, maman, si j'ai bien compris, pour un serviteur de Dieu, c'est une femme introvertie qui est bien. Non, ça dépend des caractères. Ça dépend des caractères, mais ici, on a ressorti... Voilà. Ici, on a ressorti ce qui est, dans le ministère prophétique, chez la femme introvertie, ce qui est un avantage. Voilà, mm-hmm. Faut voir ça sous l'aspect d'un avantage. Et puis, papa donnait l'exemple tout à l'heure. Voilà, nous, notre expérience, avec tout ce qu'on a traversé, moi particulièrement, hein, par rapport à l'exemple que tu donnais tout à l'heure, avec tout ce qui s'est passé dans le ministère, mm-hmm. on était jeunes serviteurs de Dieu, surtout toi avant moi.
Et le caractère introverti que j'avais, ça, les gens interprétaient ça comme un manque d'enthousiasme, d'intérêt. Donc ça a créé des tensions. Mais moi-même, tu comprends, quand on est jeune dans l'œuvre de Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui, pour vous dire des choses après plus de 20 ans de vie commune. Voilà, c'est très très important. Et je peux vous dire que il n'y a rien. Comprenez-nous. Et c'est souvent aussi les personnes introverties vivent les problèmes d'une manière trop passionnelle. Quand il y a un souci, ces personnes ont souvent trop de maux de tête. Hein? Réfléchir. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui n'aiment pas qui n'aiment pas le conflit, c'est des personnes qui n'aiment pas les palabres, en fait, de façon naturelle. Oui, ce sont des personnes qui n'aiment pas les situations conflictuelles. Voilà. Qui n'aiment pas les situations conflictuelles, qui sont plus calmes. Mm-hmm. Et ça fait que on peut avoir cette idée d'exagérer. Or, l'extraverti, lui, il enflamme, puis c'est fini. Il est dans son élément, là. Voilà. Quand il enflamme. Les palabres toujours. Voilà. Comme maman et moi, il fait pas la palabre. Hein. Mm. Voilà. Et puis, il est dans son élément de palabre. C'est-à-dire, je sais que. On va passer à 7. Et puis aussi, c'est pas facile. Parce que aussi, dans le couple aussi, c'est une affaire d'expérience. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais vraiment, maman, quand elle voit souvent, souvent il y a des choses que elle, ça peut la heurter. Maman prend ça comme ça. Et bien, nous, on a une histoire. Nous, on s'est aimés jeunes. On se connaît depuis le CP2. Voilà. Donc, ça dit, par la grâce de Dieu, je touche du bois. Moi, on ne me verra jamais dans le lit d'une autre personne. Vous voyez vraiment, ça fout de l'air. Mm-hmm. Elle ne verra jamais certaines choses parce qu'elle sait que, voilà. OK? Ça, c'est le principe. Mais le problème aussi de ce monsieur qui m'a dit, oui, sa femme fait vraiment tout aussi. Mais tu passes ton temps à la tromper aussi. Donc, quand toi, tu déconnes, automatiquement, elle a des réflexes. Voilà. Elle ne voit pas ton argent. C'est-à-dire, comment toi, ta femme ne connaît pas tout ton salaire? Hein? Tes primes. Souvent, sur les histoires, j'invente, je vous dis toujours, hein, tes primes sont plus élevées que ton salaire. Ça arrive. Mmh. Voilà. Mais ta femme n'est pas juriste. Nous, on sait ça. Que souvent, il y a le sursalaire qui est souvent plus élevé. Il y a des primes qui sont très élevées. Mmh. Et toi, tu lui mens, tu lui présentes ton bulletin. Elle croit que c'est bas. Alors que tes primes sont élevées. Et tous ces primes, elles prennent pour gérer la famille. Voilà. Tu fais pour gérer la famille. Donc, il y a un aspect d'honnêteté. Voilà. Comme moi, je dis à ma femme que je ne lui donne pas l'argent, elle ne va pas faire un cas parce qu'elle sait qu'il n'y en a pas. Voilà. Quand elle sait qu'il y en a, quand j'arrive, je commence à danser ma danse, qu'on sait ma danse, non? Je danse et puis elle sait que je vais jouer, tout ça là. Voilà. Donc c'est très important. Maman, type 2 maintenant. Ok, donc le type 2. Donc vous avez compris, introverti, extraverti. Vous pouvez nous partager vos expériences un peu d'introverti et d'extraverti. Moi je me cherche au haut, donc. C'est Olivier, il dit cherche ses solutions. Mes solutions. De type de femme. Gisèle Kassiachia. Comment appeler quelqu'un qui est calme mais qui est toujours prêt à courir pour trouver une solution? Ah, il y a ces cas-là. Ça, c'est souvent une personne qui a trop peur du conflit. Voilà. Vous voyez, non? Il y a des gens qui sont calmes, on va passer au type 2. Oui, on pas fini. Donc, on passe au type 2. Donc, le type 2, ce sont les personnes, il y a les personnes logiques et les personnes intuitives. Voilà. Les personnes logiques et les personnes intuitives. Mm-hmm. Alors, la personne logique se sert de ses sens. C'est la personne qui se sert de ses cinq sens pour s'informer et pour agir. Son intellect, ce qu'elle voit. Voilà, ce qu'elle voit. Voilà. Mm-hmm. Pour s'informer et pour agir. C'est la personne qui veut des faits, des faits concrets. C'est la personne qui est pragmatique, qui s'appuie sur les faits, l'expérience pratique, qui prend en compte le passé. Mm-hmm. Voilà, par exemple, quelque chose, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le couple, voilà, ça a créé ça. Donc, sur la base de ça, elle peut se comporter. Mettez encore des cœurs, hein, ne vous lassez pas de mettre des cœurs. Sur la base de ce qui s'est passé dans le couple, hein, dans le passé, cette personne-là va agir sur cette base-là. Mm-hmm. Parce que c'est la personne qui agit avec... en se focalisant sur ses sens. Cette personne aime ce qui est clair, tout ce qui est clair, très clair, pratique. Elle n'aime pas les suppositions, elle n'aime pas les hypothèses. C'est quelqu'un qui est sur les détails, beaucoup sur les détails, qui regarde beaucoup les faits pour résoudre les problèmes. Voilà. Une personne très méthodique, hein, on va dire un peu carré sur les bords. Voilà, nous, dans notre langage courant, on va dire ce sont les personnes qui sont carrées sur les bords.
Alors avant de parler de la personne intuitive, puisque tu as parlé de ça, oui, les personnes logiques et intuitives. Mm-hmm. Déjà, vous voyez qu'il faut voir, parce que tout n'est pas schématisé, on parle d'être humain, mm-hmm. Faut des expériences assez, on parle d'une âme humaine, ce n'est pas un robot. Donc déjà, vous voyez que quelqu'un peut être introverti et puis logique. Ça devient plus compliqué. Ça peut, oui. Quelqu'un peut être extraverti et puis logique. Ça peut être plus simple. Voilà. Quelqu'un peut être... on va parler de caractère intuitif. Mm-hmm. Donc, vous voyez déjà que ça commence à être un peu plus compliqué. Mm-hmm. Voilà, ça commence à être un peu plus compliqué. Là, on va parler du caractère des personnes... logiques. Des personnes logiques. Vous voyez tout ce que maman a cité. Si vous êtes logique aussi, il faut... Maintenant, on peut aussi avoir un peu de deux aussi. Un peu de deux. Maintenant, la personne intuitive, maman, c'est qui? La personne intuitive. Mm-hmm. Concernant les personnes logiques, tu n'as pas un bel exemple? Okay, je finis avec la personne intuitive et puis on va voir. Moi j'ai un exemple de couple parfait, mm-hmm. Hein, pour nous illustrer ça, mm-hmm. Un exemple parfait de couple. Alors la personne intuitive, hein, par contre elle préfère les idées aux faits, mm-hmm. Elle préfère les idées aux faits. C'est la personne qui voit les choses dans l'ensemble de façon globale, elle n'est pas trop sur les détails, hein. C'est la personne qui est tournée vers l'avenir, mm-hmm. Elle n'est pas focalisée sur le passé, même s'il y a quelque chose qui s'est passé et qui peut nous freiner à aller dans l'avenir, à prendre des risques. Cette personne-là, non. Elle est tournée vers l'avenir. C'est la personne qui résout ses problèmes par intuition. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on nous parle de personne intuitive. Mm-hmm. Cette personne-là sent plutôt les choses. Elle sent les choses et passe facilement d'une activité à une autre. Mm-hmm. Voilà, elle n'est pas très, très, comment on dit ça, prudente. Il n'y a pas trop une sorte de prudence, comme chez la personne logique. Elle peut passer facilement d'une activité à une autre. C'est une personne qui est imaginative, c'est une personne qui est créative, qui n'est pas dans le conformisme comme la personne logique. Alors, dans un couple pastoral, mm-hmm. Il y a beaucoup de secteurs qui nous suivent, la personne intuitive, c'est le prophète. Mm-hmm. La personne logique, c'est le pasteur. Vous voyez, mm-hmm. Non? Quelqu'un qui est là, et souvent la personne logique, c'est la femme. Quand toi, tu arrives, ah oui, j'ai tel projet, tel projet. Gaz est fini. Il n'y a pas à lui mettre. Hein? Ah, mais moi, tu vois, non, il faut qu'on investisse dans telle chose. Il y a telle chose qu'on doit prendre. Etc. Ah non, mais femme est prudente. Voilà. La femme, souvent, est logique. Et ça, c'est un peu le caractère des personnes. Si on veut. Quand une personne aussi, elle est introvertie, elle est très logique. Maintenant, par rapport à la personne logique, Et c'est souvent là qu'il peut avoir des soucis. Par exemple, vous allez voir la personne logique, souvent, elle peut empêcher le couple d'évoluer. Oui. Voilà. Mm-hmm. Elle ne veut pas bouger, elle est prudente, elle a peur. Souvent, c'est ça. Et là, il y a des personnes dans le couple, tout à l'heure, je souvent un couple. La femme, elle est dans l'intuition. Elle fait des affaires, elle travaille, elle fait tout, elle est puée, etc. Le monsieur, lui, il est bon. Il est encore prudent. Et quand c'est comme ça, dans les affaires, le monsieur qui est logique peut utiliser son caractère de chef de famille pour pouvoir contrôler la femme et l'empêcher de s'épanouir. Et ça peut bloquer. Et ça peut, la créativité de la femme, oui. vous pouvez détruire la femme. C'est ça. Voilà. Elle n'est pas épanouie. Voilà. J'ai vu aussi un cas où la femme qui est logique, mm-hmm. et qui est une bonne juriste, une grande juriste, dans une société où elle est très bien payée, un salaire très, très confortable, voiture de service, avec tous les avantages, avec prime de voyage, congé, etc., etc. Son mari, il est dans les affaires. Mais comme il a eu un niveau BTS, mm-hmm. elle étudie toujours ça pour dire non, tes affaires vont pas réussir. Tu ne sais pas faire telle chose, il y a telle chose. La dernière fois, tu as fait telle chose, tu as vu que ça a échoué. Et vraiment, c'est difficile. Alors, j'aimerais, mm-hmm. est-ce que tu n'as pas un exemple de couple? Oui, donne-moi. Le couple à sirop. Oui. Quand j'étais là, c'est le coup à six roues. Voilà. Le monsieur est logique. Voilà. Et la femme, elle est intuitive. Elle est intuitive. Est-ce qu'on peut nous les taguer même le coup à six roues? Je ne sais pas si nous suivent en direct. Pardonnez-moi. Ça, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Et ceux qui la connaissent. Il y a aussi un couple aussi. Et ça peut tuer la créativité de la femme. Voilà. Il faut travailler. Par exemple, j'ai des couples qu'on a, la femme, elle aime vendre, elle aime faire le commerce, tout ça. Mmh. Mais l'homme qui est un cadre dans un truc à Abidjan, il est. Voilà. Il est. Et ça fait que la femme,
elle est coincée. Voilà, elle chante tout ça, mais vraiment c'est, elle peut manquer d'épanouissement. Mm-hmm. Voilà, et ça, ça peut être difficile. Et ça peut faire que là, les personnes intuitives et les personnes impulsives ou les personnes logiques, comme les personnes extraverties, peuvent se mettre dans des catégories. Voilà, et ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux parce que c'est pas comme ça. De la même manière qu'un couple est différent et s'attire, faut s'enrichir des contraires. Et souvent dans les sociétés, vous allez voir que les personnes qui ont les mêmes manières de faire sont ensemble. Vous allez voir qu'il y a ceux qui aiment critiquer, qui sont très productifs dans les boîtes sont ensemble. Ceux qui conservent la boîte, les financiers, les ressources humaines sont ensemble. Alors que les commerciaux, ceux qui créent de la valeur, ils sont ensemble, ils ne comprennent pas. Alors que c'est un travail d'ensemble. Et même dans les églises, vous allez voir les évangélistes, ceux qui sont des prophètes, qui veulent aller de l'avant, qui sont ensemble. Et puis, ouais, ceux qui ont un tempérament de pasteur, ils sont ensemble. Et puis, alors que c'est un ensemble qui fait, même dans les familles. Il y a des enfants qui sont plus ouverts, ils veulent qu'on fasse telle chose. Puis il y a d'autres là, qui ont le caractère prudent des papas, protecteurs, voilà, etc. Donc mettez des cœurs, mettez des pouces. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui partage. Hein. Voilà. Donc comment on harmonise tout voilà, ça? Alors comment un tel couple pourrait s'harmoniser? Un couple de personnes ou un conjoint est logique et l'autre est intuitif. Alors comment est-ce que l'harmonie peut s'installer d'un tel couple? Est-ce qu'on peut dire ça que celui qui est logique... Ah, on a attaqué Christelle. Voilà. Christelle Assirou, toi et ton mari qui est logique et puis tu es intuitif. Fatim Koulibaly, épouse Kofi, qui est logique, qui est intuitif. Bah, Fatim, je crois qu'elle est intuitive, son mari est logique. Voilà. Par exemple, vous allez voir, même dans la manière de dépenser dans la dîme, la personne intuitive, c'est la personne qui comprend le prophétique. Oui. Elle va dire non, telle chose là vraiment. Faisons l'alliance financière, sémons, faisons telle chose, telle aumône. La personne qui est logique, mais tu vois qu'on a telle charge. Oui. On a telle charge, on a telle chose. Toujours à la réalité. Voilà. Et ça, c'est la ça personne qui est un peu bloquée. Ça là, c'est pas compatible avec le prophétique. Oui, oui, ça c'est très difficile. C'est très difficile. Mm-hmm. Voilà. Moi, continue. Alors, Christelle Assirou, elle rit. Hein. Ma fille, tu confirmes ou bien tu ne confirmes pas ce qui a été dit. Comment un tel couple pourrait s'harmoniser? Alors, celui, le logique et l'intuitif. Mm-hmm. Le logique peut penser... c'est dans ce genre de couple-là, ce qui peut arriver souvent, c'est que le logique, il peut penser que son conjoint qui est intuitif est un rêveur. Mm-hmm. Il peut penser que c'est un rêveur, qu'il a la tête dans les nuages, il n'a pas la tête sur les épaules. Mais l'intuitif peut aussi reprocher à son conjoint qui est logique d'être trop compliqué, d'être trop difficile. Et voilà. Puis surtout, de ne pas être audacieux. De ne pas être audacieux, voilà. De ne pas être entrepreneur. Alors, il faut avoir le caractère de Jacob. Vous voyez, non? Il faut avoir le caractère de Jacob. Et c'est ça, il faut avoir le caractère de Jacob. Il faut à un moment donné, il faut... Et le couple sans risque ne peut pas avancer. Moi, on avait un ami dans un rêve imaginaire. Qui lui, il attendait qu'on fasse tout pour lui, pour les goûts. Il rencontre une goût, il aime. Mais il est dans son coin. Et un jour, la fille a dit, mais votre ami là, il est toujours là, il ne vient pas vers nous, il ne vient pas vers moi. Pour me... Lui, il est toujours là dans son coin, etc., etc. Et c'est le gars intuitif là qui a pris la go. Parce que là... Il fait les choses bien. Voilà. Donc, réagissez. Le logique peut trouver que son conjoint qui est intuitif est dans les nuages, n'a pas la tête sur les épaules, aussi peut trouver... L'autre aussi peut trouver que son conjoint est trop difficile, trop compliqué. Mais ce qui est intéressant ici, ce qu'il faut noter, c'est que les deux caractères sont complémentaires. Ce sont deux caractères complémentaires nécessaires pour pouvoir réaliser un projet, pour pouvoir sortir quelque chose de bon. Le caractère méthodique et organisé de la personne qui est logique se complète parfaitement avec le côté visionnaire, créatif, imaginatif de, voilà, de la personne. Maintenant, vous pouvez être aussi logique et puis être créatif. Hein. Voilà, ça existe. Voilà, une personne peut être logique et puis être intuitif. Voilà, ça c'est Dieu fait ce qu'il veut avec chacun. Mais donc, souvent dans ces caractères là, il y a un qui ressort le plus. Si il y a un qui ressort le plus. Qui prend le dessus. Voilà. Donc vous avez compris, premier type de personne, la personne extravertie,
introverti. Deuxième type, logique et intuitif. Les deux peuvent se compléter. Une personne peut avoir les deux caractères. Ok, bien qu'un peut prendre toujours le dessus. Mais un troisième type, maman. Troisième type, il y a des personnes qui sont tournées vers la tâche. Mm-hmm. Il y a des personnes qui sont tournées vers les gens. Je vais un peu plus expliciter. Les personnes qui sont tournées vers la tâche sont des personnes qui sont tournées vers le résultat à obtenir, mm-hmm. vers l'objectif à atteindre. Mm-hmm. Celui qui est davantage tourné vers la tâche à accomplir, là, il cherche un objectif clair à atteindre. Ses motivations, c'est quoi? Mettez davantage de cœur et de likes, les enfants, puis partagez, taguez-moi des gens qui ne sont pas... Continue, maman. Sa motivation, ses motivations sont l'efficacité. Mm-hmm. Voilà, il recherche l'efficacité, la justice, la vérité. Dans les affaires, par exemple, il met en priorité la productivité et le bénéfice. Mm-hmm. L'objectif, qu'est-ce qu'on va atteindre? Quel résultat on va atteindre? Avec un but défini, bien précis. Mm-hmm. Voilà, il avance rapidement et avec méthode, avec objectif. Lui, par exemple, il rejoint un peu... le logique. Mm-hmm. Et, si tu es d'accord avec vous. Et vous allez voir que, curieusement, mm-hmm. celui qui est intuitif, mm-hmm. il veut l'homme d'affaires, mm-hmm. il cherche des personnes qui sont tournées vers la tâche. Et il est attiré, c'est ce que tu veux dire? C'est-à-dire que quand il va, par exemple, embaucher, par exemple, dans le ministère, quand tu as une vision à déployer, mm-hmm. quand tu as des choses à faire, quand tu es dans le prophétique, ou bien quand tu es... Parce que le prophétique, on dit le prophétique, ça donne l'impression d'être intuition. Mais là où il y a le côté logique de la prophétique, c'est que c'est apostolique. Voilà, l'apôtre, il est en même temps prophétique et logique, donc pasteur. Mm-hmm. C'est ça, en fait, ce sont les deux caractères qui font l'apôtre. Voilà. Et vous allez voir qu'on aura, par exemple, dans le ministère, il y a des personnes, comme dans la vie, qui sont tournées vers la tâche. Et puis d'autres vont tourner vers les gens. Voilà. Et dans le travail, dans le couple, souvent c'est très très important. Voilà, la personne qui est tournée vers la tâche va regarder l'exercice des enfants, comment cela se fait, est-ce que l'enfant plie bien ses affaires, etc. La personne qui est tournée vers les gens va voir un peu comment il voit la priorité aux personnes. C'est-à-dire que chez cette personne là, le cœur l'emporte sur la raison. Okay. Chez la personne qui est tournée vers les gens, vers les personnes, le cœur l'emporte sur la raison. Mm-hmm. Le cœur l'emporte sur les relations, sur l'objectivité. Sur la tête. Mm-hmm. Il y a un peu quelque chose de, comment on appelle, de charité, mm-hmm. sentiment d'altruisme. Très sensible aux autres. Très sensible aux autres. Ils font preuve d'empathie. Mm-hmm. Voilà. Ce genre de personnes-là prennent des décisions en tenant compte des conséquences de leurs décisions sur les autres. C'est-à-dire, si elles veulent prendre une décision, par exemple, que cette décision-là risque d'avoir de mauvaises conséquences, des conséquences négatives sur les autres, elles risquent de ne pas prendre la décision. Donc, vous voyez qu'on peut retrouver des personnes logiques, hein, des personnes qui font la tâche, et puis en même temps, donc tout n'est pas clair. Il faut simplement que vous compreniez que votre mari, pour telle situation, ou bien dans tel domaine, ou bien ces traits peuvent être... un homme peut contenir toutes ces choses-là, toutes ces capacités ou bien tous ces caractères. Et c'est très, 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 très important. Mais donc, la personne qui est tournée vers les gens mm-hmm. va faire un bon pasteur, un bon ministre. Mm-hmm. Ça, c'est quelqu'un qui va être une personne d'harmonie. Mm-hmm. La personne qui est tournée vers la tâche va faire avancer le travail. Voilà, c'est voilà. Ça. Et vous allez voir que la personne sera productive, mm-hmm. elle sera logique, elle va regarder au tableau, elle va regarder aux choses. La personne tournée vers la tâche. Vers la tâche. Mm-hmm. Et à cette personne-là, si vous êtes chef d'entreprise, vous allez avoir des bénéfices. Mais par contre, vous risquez d'avoir des problèmes de cohésion. De cohésion dans l'entreprise. Etc. Et voilà. Parce qu'elle ne saura pas gérer forcément le personnel. Hein. Voilà. Alors que la personne qui est tournée vers les gens, est plus aux ressources humaines. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais être dans le foyer, il faut... Oui, dans le foyer mm-hmm. Il faut que la femme soit plus tournée vers la tâche. Dans le foyer? Oui, parce que faut qu'elle regarde. Il faut qu'elle soit tournée vers... Ses motivations doivent être l'efficacité, mm-hmm. la justice et puis la vérité. Mm-hmm. Voilà. Et est-ce que les enfants font leur devoir? Est-ce que...
il y a l'argent pour telle chose, est-ce que les choses sont bien gérées, est-ce que les choses sont faites avec méthode, elle doit aller faire des achats, hein, s'assurer parce que c'est elle qui est la gardienne de la maison. Voilà. Donc, okay. Doit être vers la tâche. Vers la tâche, mais aussi, pourquoi je dis l'un n'exclut pas l'autre aussi, oui. Il faut aussi qu'elle soit tournée aussi vers les gens, oui. Sur la cohésion, et ça, souvent, c'est le père qui doit faire ça. Le père doit s'assurer que, surtout en Afrique où il y a beaucoup de familles recomposées, le père doit s'assurer que l'harmonie existe. Okay. Voilà, la femme est dans les détails, mm-hmm. Et c'est là que souvent il y a des problèmes, parce que les femmes, elles veulent donner la même éducation qu'elles ont donnée à leurs enfants, aux enfants des autres. Une femme là, dans un foyer. Souvent. Femme rentre dans un foyer, elle vient à sa fille, mm-hmm. qui est première de classe, la fille du monsieur est dernière, mm-hmm. donc elle veut lui appliquer l'éducation, qu'elle applique à son enfant, mm-hmm. voilà. Mais le monsieur, lui, il est plutôt dans la gestion des gens, voilà. Lui, il est plutôt dans le cœur, il est sensible aux sentiments des autres, mm-hmm. dans l'empathie, donc ah non, mais tu cries trop sur les enfants, c'est là, mais dis, attends, c'est une femme pour que je les élève. Ça me voilà. Fait passer à un couple, mais je n'ai pas dit le nom ici. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que ce couple se reconnaît, la personne qui mm-hmm. est connectée? Oui. Donc, pour être efficace, mm-hmm. hein, une équipe a besoin d'avoir les deux personnalités. Mm. Voilà. Celui qui est axé sur les gens hein, doit apprécier la détermination de celui qui vise l'objectif. Mm-hmm. Par exemple, dans le ministère, on a une personne par exemple, qui est tournée vers la tâche, c'est madame Connaît. Voilà, efficacité, objectif, elle n'est pas dans. Voilà. Et puis il y en a d'autres hein, qui sont. Qui ont, j'ai envie de dire, ça c'est le caractère d'Absalom. Voilà, qui est tourné vers les gens. Mais souvent aussi, souvent ceux qui sont tournés vers les gens, ce n'est pas de bonnes motivations, souvent, malheureusement. C'est pas tout ça. Il y en a des personnes qui sont vraiment. Oui, si, qui sont. Mais. Et, alors, cette personne doit coïncider. Je te donne un exemple mm-hmm. dans un truc qui a coincé. Mm-hmm. Une belle-mère mm-hmm, mm-hmm. qui faisait comme si elle supportait les enfants du monsieur qui ne sont pas les enfants de la dame. Mm-hmm. Donc la dame travaillait, elle, pour mettre les enfants sur le même pied d'égalité. Voilà. Et elle était même plus due à ses propres enfants. À travers que sa fille qui n'est pas la fille de monsieur pensait que sa maman n'aimait pas. Okay. Elle a même demandé si je suis ta fille. Mm-hmm. Mais elle ne veut pas qu'on sente. Donc même quand l'autre a fait une erreur, elle les frappe tous ensemble. Voilà. Mais la belle-mère, à un moment donné. La maman du monsieur a fait croire à la fille que non, tu as été amoureux et Dieu est toi, elle ne vous aime pas. Elle a créé un sentiment. Mais souvent, quand on fait ça, en fait, vous allez voir que ces couples-là, ou bien ces personnes-là, les enfants ne sont pas très productifs à l'école. Parce qu'en fait, on est large, on laisse faire, mm-hmm. on manque de précision. Et quand la femme veut faire, on trouve qu'elle est trop dure. Et même dans la gestion des gens, on peut voir que quelqu'un fait mal, on le voit même dans le ministère, mm-hmm. quelqu'un n'agit pas bien, mais non, on est plutôt enclin à tu as dit quelque chose, on est plutôt enclin à excuser, à faire bien. Ouais. Non, voilà. Et ça, si vous êtes un père spirituel, une mère spirituelle, ça va coincer. Voilà, j'étais étonné, j'ai fait une écoute avec une dame, une jeune fille, on ne l'avait jamais mis en face, clairement, et je n'ai pas dit directement que l'avortement qu'elle avait fait était un grave péché, une grave abomination, qu'elle devait se repentir même si Jésus-Christ l'aimait. Et c'est, voyez, non, la maman qui prie, oui, tu as fait, bon, il faut assumer les conséquences, c'est tout. Voilà. Et ces gens peuvent vouloir. En fait, ce n'est pas trop intéressant. Mais aussi, ça c'est très politique. Voilà, ça c'est très politicien. C'est très français. Mais c'est aussi un caractère, c'est aussi un caractère chrétien. C'est ce que le Christ nous demande, non? À part le fait que... C'est ce que le Christ nous demande. Oui, le Christ serait plutôt dans... Regardez, il y a une version de l'évangile qui montre les apôtres. Mm-hmm. Une version apocryphe. Les apôtres sont en train de se faire... pas là qui est qui est maître des Zébédée, qui est roi, tout ça là. Et le Christ, quand il a fini de faire tout son travail, il les dépasse et puis il va dormir parce qu'il est fatigué sur l'objectif. Mm-hmm. C'est très très important. Mais il a dit comment le Christ parlait aux pharisiens hypocrites. Il a dit comment Jean-Baptiste le précurseur parlait. Aujourd'hui l'église, si on est devenu un parti politique, c'est dangereux. Il faut pouvoir souvent dire la vérité aux frères, mais avec amour. D'accord. Voilà, avec amour, mais dans la vérité, c'est ce qu'on appelle la correction fraternelle.
La correction fraternelle. Okay. Voilà. C'est vrai que il y a cette tendance de s'excuser plutôt que d'accuser, c'est mal dit. C'est très psychologique. Mm-hmm. Voilà. Mais il faut dire la vérité, mais avec charité. Nous, on peut le dire comme ça. Voilà. Donc, mais c'est très, très important. Maman aussi l'a dit, c'est que il faut apprécier la détermination de celui qui vise l'objectif, valoriser ses capacités, mais aussi, là où je suis d'accord avec maman, c'est de créer une atmosphère de tolérance, d'encouragement et de soucis des autres. Mais je me suis rendu compte que ça, c'est dangereux, les Africains. Oui, les Africains vont s'installer dans du bon dieuisme. Voilà, tu dis fais-moi une table carrée, il fait une table losange, mais c'est joli, ne vous prenez ça comme ça. Et puis tout le monde est compliqué. On a quelqu'un qui est venu faire notre immeuble, nous a nous fait mettre des roues, et on s'est rendu compte que c'était une arnaque, parce que le poids du meuble, tu vois de quoi je parle? Oui. Le poids du meuble n'est pas supporté. Et nous chrétiens, hein, on veut faire comme on l'appelle pour venir faire. Et il ne bouge pas. Il nous a pris de l'argent cher. Alors, j'étais obligé de dire à Maïpassal qui disait le budget, le projet. Bon, il faut dire à ce jeune-là que je vais aller dans son entreprise, le dénoncer, créer un problème avec son patron pour qu'on le renvoie. Le lendemain, il est venu. Vous voyez, ça, c'est très africain, ce caractère-là. Et ce n'est pas bon. Maintenant, il y a un quatrième type de personne. Maintenant, vous êtes dans quel type? Là, ça devient un peu compliqué, là, on est mais. Hein? Là, vous ne parlez plus, là. Mettez-vous dans quel type? Fatima, Josiane Butoden, maman l'a dit, il y a ceux qui sont tournés vers la tâche, vers les gens plutôt. Il y a ceux qui sont logiques, intuitifs. Il y a ceux qui sont introvertis, extravertis. Maintenant, il va aborder le quatrième type. Vous êtes dans quel type de personne? Réagissez un peu. Voilà, réagissez. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de pouce. Donc, il n'y a plus d'amour pour nous. Type 4. Maman. Type 4, on a des personnes organisées. Hein, mm-hmm. Des personnes organisées. Et des personnes ou des personnes flexibles. Mm-hmm. Voilà. Il y a des maniaques de l'organisation aussi. Pouah. Tu parlais d'un rêve imaginaire, une des soeurs qui. Un gars tellement était maniaque. Raconte-nous cette histoire-là. Comment le gars était maniaque. Ah, Manette, tu l'as compétée là. Elle a fui. Elle a fui. Raconte-moi un peu ça, maman. Ça nous elle a fui. Bon, elle dit qu'il s'intéressait à elle et puis il l'a invitée chez lui. Mm-hmm. Bon, elle dit qu'elle va aller voir. C'est une de nos filles. Hein. Mm-hmm. Elle va aller voir. Non, ce sont des histoires imaginaires, maman. Mm-hmm. Ah, dans le rêve, bon, d'accord. Donc, c'est une histoire imaginaire dans laquelle il y a un monsieur qui écoute. Il sait, une jeune dame. Donc, elle a dit bon, elle va aller le voir. Et idée de se faire un point de vue sur lui. Quoi. Mm-hmm. Donc elle arrive déjà à la porte, même on lui dit d'enlever ses chaussures. Elle enlève ses chaussures, elle rentre là, on lui dit d'aller se laver les mains. Yes. Elle va se laver les mains. Elle vient, avant d'aller dans les toilettes, on lui dit non. C'est-à-dire que c'était à chaque étape ce qu'elle devait faire là. Il était en train de regarder et lui dit comment elle doit s'asseoir ici. Oui, elle a déposé telle chose là, prends là et tout. Non, garçon comme ça là, c'est ah, elle, non, mais c'était, c'est pas... Non, garçon comme ça là, ma fille... Hey. Elle dit, elle est restée... C'est-à-dire qu'elle savait plus quoi faire dans la main. Parce que dès qu'elle touchait quelque chose, elle déplaçait... Elle, on remettait à sa place, on disait non, ici c'est pas ça. Mm-hmm. Donc elle est restée assise comme ça, toute coincée jusqu'à ce que... le temps de partir arrivait, quelqu'un a mis les pieds dehors, elle a dit plus jamais ce gars-là. Bon, ça nous permet d'introduire le type 4, les personnes organisées, les personnes flexibles. Les personnes organisées, les personnes flexibles. Alors, celui qui aime s'organiser, hein, c'est la personne qui décide de suivre une ligne de conduite jusqu'au bout. Mm-hmm. Souvent, on peut prendre... comment on dit ça? Je cherche le mot. On peut décider de faire quelque chose. Mm-hmm. Hein, on peut prendre des décisions, on peut décider de faire quelque chose. Et... pour la personne qui a organisé ce genre de personnes, elle, ça dit qu'elles vont tout mettre en œuvre pour même suivre les étapes de ce qu'elles se sont données, de ce qu'elles ont décidé de faire, y arriver. Alors que la personne flexible, par exemple, va... Elle préfère la spontanéité. Voilà, elle préfère la spontanéité, elle ne va pas forcément suivre toutes ces étapes-là. Donc, celui qui aime s'organiser n'a pas de peine à décider d'une ligne de conduite à la suite jusqu'au bout. Mais celui qui préfère la flexibilité aime mieux rester ouvert aux diverses options. Hein? On parle de flexibilité là. Et le plus c'est possible,
plus elle a la possibilité de recevoir de nouveaux renseignements, mm-hmm. de nouvelles informations. Mm-hmm. Voilà, elle s'adapte. C'est-à-dire s'il y a une nouvelle position qui est plus avantageuse, elle s'adapte. Donc la personne qui est organisée, elle est très souvent conservatrice. Elle est conservatrice. Une ligne fermée. Et flexible, elle est plus ouverte. Elle est comme dans des limites en fait. Mm-hmm. Voilà, elle est comme dans des limites. Voilà. Mm-hmm. Donc, mais quand même, la personne qui est organisée sait se donner des priorités. Si, si. Elle sait se donner des priorités. Elle tend à être organisée. Mm-hmm. Voilà. Et par exemple, c'est les personnes par exemple, qui sont en train de respecter des dates. Mm-hmm. On doit faire telle chose à telle heure. À telle heure, on doit faire ça. Par exemple, on a dit la prière de familiale. On doit prier. On doit prier à 21h. Yeah. Voilà. Alors que la personne flexible peut trouver, par exemple, elle peut dire bon, on a eu tel souci. Il y a tel problème qui se pose. Bon, on peut faire aujourd'hui la prière peut-être à 22h. Donc la personne organisée, elle a de la peine à gérer l'inattendu. Voilà. Alors que la personne flexible, elle est ouverte, elle gère. L'inattendu. Elle suit le mouvement. Mm-hmm. Elle aime la liberté, la spontanéité. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Donc, on peut se retrouver dans plusieurs de ces cas. Hein. Mm-hmm. Ils sont flexibles, hein, souvent. Elle peut entamer un projet, et puis. Donc, les deux se complètent. Mm-hmm. Voilà, c'est très, très important. Et parce que la personne flexible, elle est décontractée. La personne flexible, elle s'adapte facilement à l'imprévu. Mm-hmm. C'est quand même un avantage. Hein. Alors que chez la personne organisée, là, la personne qui est organisée, qui n'est pas flexible, l'imprévu, mmh. ça dérange un peu ce genre de personnes. Ça, c'est. Vous voyez pourquoi on ne peut pas mettre une personne dans une seule catégorie. Par exemple, Florence, que je connais. C'est-à-dire, si elle n'a pas bien encadré les choses, Florence et puis aussi Josiane. Il y a des personnes comme ça hein, qui se retrouvent. Voilà, pas. Il faut qu'elles soient encadrées. Donc, mmh. ça, on peut les mettre dans cette quatrième catégorie de personnes organisées. Mais les personnes flexibles, donc, moi souvent j'ai des problèmes avec des gens. Tant que par exemple, on le voit même dans le ministère, les personnes organisées, mm-hmm. si tu leur as dit de prêcher, il faut leur dire ça 3 jours en avance. Si tu leur as dit ça 10 minutes avant, non mais je ne peux pas organiser, etc. Or la personne flexible, elle s'adapte. Donc il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'inconvénients, mais c'est selon. Mais la personne organisée, quand tu as défini, elle peut bien suivre, mm-hmm. bien entretenir, bien organiser, etc. Mm-hmm. Donc, vous allez voir que vous allez retrouver tous ces caractères-là, hein, un peu chez chaque, mm-hmm. dans chaque couple. C'est pourquoi il faut mettre des cœurs, partager nos expériences. Angela Capé, Léontine de Bonneville dit « Je suis organisée mm-hmm. ». Angela Capé dit « C'est vrai, vraiment ». Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle, c'est tout à fait moi. C'est tout à fait toi. Mm-hmm. Angela dit qu'elle est des personnes maniaques et très organisées aussi, exactement qui est. Pourtant, Angela Capé, je te sens aussi très prophétique, hein, t'es une personne aussi qui est ouverte. Josia, toi, tu es quoi? Il y a Sandrine Ouessou. Dites-vous un peu dans quelle catégorie vous vous retrouvez. Et ces traits de caractère doivent vous révéler aussi quel type de personne vous êtes. Mm-hmm. Pour comprendre vos réactions, pour comprendre aussi l'autre. Mais ne pensez pas que l'autre est forcément totalement dans une certaine catégorie. Ce sont des approches pour comprendre pourquoi l'autre est comme ça. Je vois que devant tel sujet, l'autre, il est plus organisé, il est plus décontracté, etc. Donc nous voulons, Christ de Bora, elle est organisée et flexible à la fois. Voilà. Non, Olivier, ça c'est fou. Toi, tu n'es pas introverti, plus intuitif. Olivier, non, toi, tu es tout sauf ça. Voilà, toi, tu es extraverti. Et tu n'es pas du tout intuitif. Lui-même, là, il ressemble à quelqu'un qui est très méthodique. Oui, et puis les gens compliqués, là. Et puis c'est un Camerounais. Il est logique. Voilà. Il est dans la catégorie de personnes logiques. Lui-même, c'est un amalgame. Il est logique, il est désordonné, vraiment, il est tout. Il y a des gens comme ça. Hein? C'est selon. Il va dire qu'il est flexible. Fatim, ça m'intéresse. Fatim dit elle est quoi? Fatim, elle est flexible. Son époux est très organisé. Et on peut le voir, vous allez voir que ceux qui sont flexibles, ils sont plutôt des artistes. Ce sont des gens qui sont dans la créativité, etc. Oui. Et puis ceux qui sont organisés. Bon, organisés. Maintenant, nous, dans nos couples, maman est un peu les deux, elle est organisée aussi, mais elle est flexible. Mm-hmm. Voilà. Et puis, vraiment, là, j'ai la chance. Bon, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est l'obéissance,
ou bien et puis la bonne éducation, mais elle sait s'adapter. Voilà, parce que moi, je suis un bolide. J'accélère, poum, des virages. Donc, c'est pas facile, hein. Mais elle arrive à suivre quand même. Voilà, elle arrive à suivre. C'est une copilote qui suit aussi. Elle arrive à suivre. Donc, ouais, c'est pourquoi dans le couple, on peut mettre les deux ensemble. Oui. On peut comprendre l'autre. Mm-hmm. Il peut prendre une décision. Mm-hmm. Comme cette femme-là, qui... Tout ça, j'ai vente, je vous ai dit, hein. Donc, ne me faites pas des paroles inutiles, s'il vous plaît. Voilà. Et ils ont décidé de construire leur maison. Mm-hmm. Donc ils ont fait c'est un duplex. Mm-hmm. Et puis au départ ils ont fait des escaliers façon des trucs là. Et puis la femme a regardé, elle aime beaucoup dessiner. Donc c'est elle qui est la personne qui vraiment est flexible. Mm-hmm. Mm-hmm. Le monsieur lui on a décidé, s'est organisé, il a fait ses prix. Elle est venue, elle a dit non, c'est pas comme ça, si on fait ça, c'est pas joli. Hein? Et donc, elle a changé, ça fait des secours. Mm-hmm. Le monsieur était dans tout ça, il a dit non, chérie, t'as su que tu vas voir le résultat. Mais comme c'est un couple complice, il a dit bon, quand tu as fait ça souvent, bon, souvent ça se gâte, mais c'est bon. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il dit mais heureusement que tu as fait ça. Hein? Ah, c'est ça. Voilà, donc c'est pourquoi c'est vraiment un travail d'ensemble. Mm-hmm. Voilà, il faut savoir pas, discerner, et puis faut savoir écraser l'autre. S'adapter. Voilà, faut pas écraser l'autre. On va le voir, on va le voir dans le dernier type tout à l'heure. C'est voilà. Très donc, important. Le on va type. Le voir dans le dernier type. Mm-hmm. Dans le dernier type, hein, on va aller rapidement. Il nous reste combien de temps même. Personne ne nous montre le temps. On doit prier, on doit prier. On a dit c'est 30 minutes depuis longtemps. Il nous reste 15 minutes. Voilà. Alors, dans le dernier type, qui est le cinquième type, on a la personne... qui guide, qui innove, on va dire la personne qui est le guide, qui est un leader, et puis la personne qui suit. Donc, je ne sais pas si on va dire le suiveur. Non, qui emboîte le pas. Qui emboîte le pas, bon, emboîte le pas, il y a un qui impulse le mouvement, et puis l'autre emboîte le pas. Ok. Alors, il ne peut pas avoir deux leaders dans un couple. Voilà, ça aussi. Et ça, le leadership n'est pas une affaire de celui qui commande ou pas. C'est pour vous bien comprendre. Hein? Moi, je connais un couple. C'est le couple de ma propre maman. Mm-hmm. Elle n'a pas un grand niveau. Son mari, lui, c'est un universitaire. Et il avait des sautés de taxi. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ne gérait pas bien. Il était tellement large. Mm-hmm. Voilà, quand les gens viennent, et tous les Africains de Paris, tous les Ivoiriens de Paris, savaient que Christophe se demandait de venir dire, papa Joseph, j'ai tel problème, je dois payer mes coûts. Et puis lui donner. Mm-hmm. Voilà. Et à un moment donné... devant les plaintes de son épouse, ma mère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, un jour il a réveillé, il a dit, bon, je pense qu'il faut que tu gères. Ils ont pu acquérir des pavillons à Paris, ils ont pu réaliser des grandes choses à Abidjan. Voilà. Donc, dans le couple, c'est souvent ça. Et c'est là que, souvent, notre mentalité d'Africain, quand c'est l'homme qui est le leader, voilà, souvent, on suit. Ou bien, c'est sûr. Mais quand, si l'homme est complexé, ou bien, parce que j'ai reçu un couple où la femme, elle naît d'une famille bourgeoise. Les grandes familles du fouet. Donc, elle est dedans, comme Obélix, elle est tombée dedans. C'est pas une roturière. Donc, elle, ses manières... Oh, le gars, c'est un roturier même. C'est-à-dire, le gars, c'est... Ah, c'est deux. Un bantous villageous. Villageous. C'est-à-dire un villageois même. Grimanzou. De quoi? Il va pouvoir sortir un truc Grigrimanzou. Hein? Du latin Grigrimantoutoutous. Donc, mais le gars, vraiment, c'est un gaou, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il porte les vestes, il est chic, mais vous voyez, non? C'est Abidjan. C'est dans ses gènes. Voilà, Abidjan, il y a des grandes familles. Je ne peux pas de la politique. Hein. Ouais. Mais comprenez, je vais vous donner peut-être, je ne sais pas, un nom qui me vient. Je peux donner, par exemple, je ne sais pas. Ouais, mais fouet, c'est facile. Hein? Voilà, pour par exemple, le maire de Cocody, sans politique, voilà. Oui. Yassé. Hein? Vous prenez par exemple Yassé, vous pouvez prendre même, je ne vais pas faire des jaloux, je vais prendre son co-listier, celui du RHDP. Les tabacs même. Tabac, même les tabacs. Oui. Vous pouvez famille. Prendre lui qui était ministre des Affaires étrangères sous Ouattara. À un moment donné, il y a une divergence, c'est parti. Non, pas Bosé. D'une grande famille, là. Il est de l'Est de la Côte d'Ivoire, comment il s'appelle? Le ministre là, ancien ministre des Affaires étrangères. Non, ça sont les grandes familles. J'ai oublié. Donc, vous voyez, c'est ça, ces gens-là, ils sont dans des familles de la SAP. Vous voyez, non, ils sont dans la Cocody. Même les Gonds.
Oui, vous voyez, quand vous voyez les concours ivoiriens, vous savez, ce sont des grands. On va dire que c'est la noblesse ivoirienne. Oui. Mais à d'autres, c'est à force de l'intelligence et on les félicite. Ils sont brillants. Mais quand ils portent la veste, c'est un peu tordu, etc. Donc la femme, elle est née de la famille, elle a grandi sur les pieds de fouet, tout ça là. Mais et ça, son ça papa arrive, était bon, son papa. Donc souvent, le monsieur lui s'est fait et c'est un gars brillant, intelligent. Vraiment, c'est d'une intelligence supérieure. Mais quand ils sont dans le milieu, hein, on sent tout de suite. Dès que la femme arrive, hein, elle est de la grande famille. Elle a de la prestance. Voilà. Donc, ça dit, c'est naturel. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Donc le monsieur, bon, tout de suite, quand il y a des visiteurs, le thé, je vous offre ça à quel moment. Donc c'est instinctif. Ah, mais le monsieur, lui, c'est pas ça. Donc, il dit, la femme lui vote la vedette. Elle lui vote la vedette. Oh, il y a des rêves que j'aime imaginer, c'est fort, quoi. C'est fort, oui, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mettez de les algorithmes, aiguisez les algorithmes. La femme lui vote la vedette. Voilà, Adjumani Amam, il a du mal compris pour elle. On va te déposer sur l'hôtel. Voilà, donc souvent, il y a des couples comme ça. La femme un peu, vous voyez, il y a des femmes qui ne sont pas trop... La famille est modeste un peu, et puis voilà. Et souvent on peut le voir. Il y a un monsieur. La couleur que la femme a mis dans la maison, moi je croyais que c'était lui. Vraiment, pourtant c'est elle qui est. Bon, je invente, hein. C'est elle qui est. Là, elle a fait un terne dans une discipline médicale, donc elle attendait pour ce, une grande professeure, là, le maître assistant de médecine. Mais vraiment, elle est gaou, quoi. Mais le monsieur, lui, bon, voilà. Mais ça, souvent, les garçons, façon, là, parce que c'est celle qui marie les femmes, tout là. Ok, les gaou, surtout les sonoufaux. Ça, c'est grave. Il y a des amis aussi qui sont gaou. Hein? Oui, bah, ça, c'est vrai. Vous voyez, par exemple, les amis peuvent avoir l'argent. Ah, hein? Ça. Mais si c'est style, vous savez, on aime rire, on est des Ivoiriens, bah, prenez un petit. Hein? Tu vois, c'est... Ou un Congolais. Il dit, actuellement, là, il y a un groupe problème au Congo. Donc, il y a des procès qui sont en vue. Mais il y a des peuples là, c'est-à-dire, c'est le style, quoi. C'est-à-dire, un Congolais un frère Congolais peut prendre un pantalon rose, tu vois, et puis il va sortir quelque chose, mais un agni. Pouah. La seule différence, là, c'est son chéquier qui va sortir. Oui. Voilà. Et puis, tu as... Mais tout souvent, c'est... Et ça dépend si les gens... Dans quel quartier aussi les gens ont grandi. Voilà. Dans quel quartier les gens ont grandi. Vous allez voir... On peut voir dans les avions, hein. Voilà, le gars qui a l'argent, qui est un gaou, tu vois, on fait 3 pièces d'avion, il est sérieux avec des souliers, tout ça là. Surchargé. Mais regarde qui est stylé là. Tu vois, il a un petit Tommy. Voilà, simple quoi. Voilà, et puis d'un petit jean, et puis des sandales Nike. Mais tu sens que c'est chic quoi. Mon Dieu, là, tu es en train d'attacher les gens sérieusement. Voilà, donc dans le couple, il peut avoir ça. Donc, maman, vas-y. Non, mais tout ça. Celui qui emboîte le pas. Voilà, le gaou, voilà, et puis le gaou, et puis la gueule, comme le disent les jeunes là. Tout ça, c'est harmonieux dans le couple. Voilà. Voilà. Ok, alors donc le cinquième. Il y a une femme qui a dit à son mari, c'est pour me suivre à l'église, hein, t'es... Ah, je vous raconte une histoire d'un couple imaginaire. Il y a une femme qui aimait les gens qui portaient des sahériennes. C'est-à-dire, c'est sahérienne, mais. Pourquoi tu me dis comme ça, pas du tout. Elle des sahériennes, elle des chaussures bizarres, et tu vois que les gars étaient un truc. Mais ceux qui connaissent un peu, vous voyez, non, les petits styles de Tommy, de Sapé, de Jean, de Levis à l'époque là, etc., etc. Et ça fait que il y a une dame qui était à l'ENA. Elle raconte quelqu'un de l'ENA. Et puis bon, les deux. Mais les gars, c'est. Il est caractère de ce nouveau. Tu as dit, il porte un jean. Ouais, il y a des gens qui ils ont tellement étudié, ils ont regardé les gens, ils ne connaissent pas la SAP. Un jean, d'abord il est dans les vieux Levis là. Tu as un gros jean, grosse ceinture, avec. Comment on appelle ça même là? Les chaussures qu'on porte en cuir avant là, comment on appelait ça? Les docks. Les docks. C'est dockside. Les dockside, non? À cette époque là, à notre époque maintenant là. Et puis, chemise paille.
pu tomber juste quelqu'un. Waouh! Des chaussures Nike, un petit jean et puis un polo qui prend bien. Un petit truc dans le style, dans l'imputation. Le gars commençait à se sentir menacé. Il était obligé de dire au gars, pour le rassurer. Le gars commençait à être mal à l'aise. Et la fille ne comprenait pas pourquoi c'était en train de détériorer. Parce que le gars se rendait compte qu'en matière de savoir vivre, savoir être, il n'assumait pas. Pourtant, c'est un bon père de famille. Responsable, sérieux. Donc, j'étais obligé de le rassurer pour dire à ta fille, non, faut faire attention. Voyez, ton gars, il se sent complexé. Voilà. Il voit que le gars, c'est une affaire de tendance et il voit que toi, tu. Et puis ne fais pas l'erreur de comparer. Mais porte, ou bien tu as vu le gars porter, oui, faut porter. Non. Donc il y a une qui a dit à son mari, ne me suis pas à tes pagnes là, à l'église. Parce qu'elle paye le polo, il porte pas. C'est tout son pagne, ses pagnes fancy, ses pagnes d'église, comme elle dit. Alors, c'est normal qu'elle soit gaou, waouh, médecine là, tu n'as pas. Plus de vie au. Ah, c'est vrai, c'est Olivier dit. C'est normal que la femme la soit. Mais j'ai vu des médecins sapés, hein. Fais attention, hein, ça dépend, hein. D'accord, donc on va aborder le cinquième type. On est sur le cinquième type, non? Oui, pour terminer. Donc je nous disais, les personnes leaders. Est-ce notre tendance naturelle de conduire ou bien de suivre? Voilà. C'est ça, non, hein? Voilà. Alors, la personne qui est leader, on va dire qui est initiateur dans le couple, c'est la personne qui se plaît à proposer de nouvelles idées. Voilà, elle n'a pas de peine à prendre des décisions. Say Baït n'a rien dit aujourd'hui à ta femme, elle se passe. Hein? Et il y a un qui dit trop soyez les Agni. Et il te dit, ma fille, Agnika, Agnie, Gaou. Anchimen, Guerre et Ora. Toi, ton mari est chic, hein? Est-ce ton mari Agni même? Maman, continue, s'il te plaît. Alors, cette personne-là, hein, la personne qui est leader, qui est l'initiateur de. De toutes choses dans le couple, elle n'a pas de peine à prendre des décisions, ce que nous avons dit, elle n'aime pas les changements, elle aime la responsabilité, c'est un bon leader en quelque sorte, voilà. Mais par contre, il y a une catégorie de personnes qui aiment suivre, hein? Ce genre de personnes qui aiment que quelqu'un prenne une décision. Quand on demande par exemple de prendre une décision, mais de s'exprimer sur, donner son point de vue sur quelque chose, on attend qu'une autre personne dise et puis on suit ce que la personne a dit, voilà, qui ne prennent jamais d'initiative. Hein, qui écoute seulement et qui hésite à exprimer ses opinions. C'est des personnes qui n'aiment pas trop la confrontation, qui n'aiment pas prendre de risques aussi, et qui peuvent même abandonner leurs propres idées et poursuivre l'idée de l'autre. Vérifier les préférences. Vérifier les préférences, voilà. Maintenir l'harmonie, c'est ça, non? Voilà, bon, maintenir l'harmonie, bon, juste. Dans le couple, on va dire pour maintenir l'harmonie, mais c'est des personnes même de caractère qui ne sont pas fermes sur leurs décisions, en fait. Et ça pose un problème par rapport à nos sociétés, patriarcale et puis chrétienne, où l'homme doit être le leader et la femme doit suivre. Tu vois, il y a des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Tu vois, un problème, il laisse, et puis c'est la femme qui doit prendre. Et souvent, il y a des femmes qu'on entend dire, ah, c'est moi qui porte la culotte. Voilà. Moi, je vois des couples, c'est la femme qui change les ampoules. Parce que ce rôle, le rôle de leader doit être joué par l'homme, c'est ce que tu veux dire. C'est lui qui. Aujourd'hui, c'est-à-dire, il doit être celui qui propose le leadership. Parce que souvent, c'est en fonction des caractères. La femme doit. Moi, je connais un couple où la femme, quand elle était jeune, elle partait avec son papa à la plage, elle sortait, elle a voyagé. L'autre n'est jamais sorti. Donc, elle lui disait d'aller à la plage, elle avait peur. Quand elle disait de voyager, oui, mais il peut avoir. Voilà. Donc, ça dépend de. Mais tout ça doit être proposé. Selon les types, maintenant qu'on vous a dit qu'il peut avoir ce type de personnes-là, il faut le faire tenant compte. En fait, notre objectif, ce n'est pas de vous mettre forcément dans une catégorie, mais que vous sachiez comment vous adapter. Comment vous adapter et savoir le type de la personne pour agir en conséquence. Voilà. Si c'est vous êtes celle qui innove, voilà, et votre mari aime emboîter le pas, alors que c'est le chef ou bien il veut se jouer souvent des trucs, comment agir, si votre femme emboîte le pas. Comme aussi lui présenter pour la brusquer aussi souvent. Voilà, c'est ça. Donc, dans cette catégorie-là, le danger qu'il faut éviter, comme je suis en train de le dire, ça dit que si c'est toi qui es le leader, c'est toi qui prends les initiatives souvent, hein, c'est toi que l'autre suit, il faut le faire de façon, comment je vais dire, aimable en fait. Voilà. Parce que l'initiateur peut négliger de consulter son conjoint. Voilà. Ça dit comme c'est toi qui es l'initiateur, c'est toi qui peut-être as le pouvoir financier, ou bien c'est toi pour
une raison ou autre, je ne sais pas, qui est le leader, qui apparaît comme le leader dans le couple. Donc, pour faire prendre une décision, tu ne consultes pas ton épouse. Pour prendre, pour poser un acte, tu ne consultes pas ton épouse. C'est-à-dire que tu viens, tu la mets devant le fait accompli. Quand c'est souvent un homme, vous allez voir que la femme peut vivre ça moins, elle peut attirer son attention. Surtout quand c'est une intellectuelle, elle peut attirer son attention. Mais quand c'est la femme qui a le pouvoir d'achat et qui fait ça, ça peut coincer. Okay. Voilà. Et moi, j'aime parce que beaucoup de femmes, c'est quoi, je me réjouis de la maturité de beaucoup de femmes. Moi, je vois des femmes de mari, c'est difficile. Elles prennent leur salaire, qu'est-ce qu'on fait avec? Oui. Voilà. Et même d'autres, même se plaignent que quand je vois le salaire, bon, il ne réagit pas, il fait rien. C'est moi qui suis obligé de décider, je n'aime pas ça. Papa, il faut qu'il joue son rôle. Mais c'est moi qui apporte l'argent parce que là, ses affaires sont pas, ne fonctionnent pas bien. Mais il faut qu'il joue son rôle. Il faut qu'il parle. Voilà. Et ça, c'est bon. Quand il y a des décisions, les enfants, il y a des choses qu'on doit pas, il ne parle pas, il est là. Il me laisse prendre ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas intéressant. Voilà. Et les femmes vivent ça souvent, vivent ça souvent mal. Voilà. Donc, vous comprenez que, comme maman la disait, il y a des dangers à éviter. Il faut toujours l'équilibre entre le leadership et la personne qui soutient. Parce que dans cette catégorie, être le leader dominé ne veut pas dire être le leader ne veut pas dire dominer, ne veut pas dire écraser l'autre. Maintenant, la personne aussi qui n'est pas le leader qui suit aussi là, bon, faut pas être trop aussi passif en quelque sorte. Quand tu poses la question, qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu veux faire, non, ça c'est dangereux. Voilà. Parce que si vous faites ça, moi j'ai vu des cas où le mari allait consulter à l'extérieur. Et vous avez des femmes possédées, démonisées. Mais ça, ta femme devait te dire ça. Et ça a failli aller dans tous les sens. Et ça, vous voyez, c'est pas bon que ce soit dans une prophétie. Que j'étais oublié dans ce rêve-là, de cafouiller même. Voilà, c'est pas bon. Ou bien vous êtes l'homme. Vous ne prenez pas et elle va consulter soi-disant son soi-disant père spirituel qui n'est pas marié. Voilà, qui n'est pas marié et qui décide. Ça, c'est dangereux. Voilà. Et c'est pourquoi vraiment, les pères spirituels, les mères spirituelles qui ne sont pas mariées, là, sauf si les prêtres, donc il est revêtu de la grâce du sacerdoce, là, je peux comprendre, mais vraiment, ça fait peur. Voilà, ça fait vraiment peur et c'est pas bon. Voilà, ça fait vraiment peur et. Alléluia. Donc, nous voulons continuer pour. Donc vous avez compris que maman, mais quand même on va dire, il n'y a aucune de ces positions là qui est vraiment saine dans le mariage. Donc chacun des époux doit s'impliquer dans toutes les décisions qui touchent le couple. C'est ça. Et il est bon de rappeler que diriger ne veut pas dire, tu l'as dit, dominer. Ne veut pas dire imposer. Et puis suivre aussi ne suffit pas, être obéir passivement. Ou bien ne pas se faire attendre. Voilà, voilà, ok. Donc on l'a dit, le couple c'est un travail d'équipe. On peut proposer et on peut mettre en pratique ensemble. Cela est très, très important. Et il faut que chacun, la bonne solution, c'est que chacun ait des domaines où il prend l'initiative et d'autres où il soutient son conjoint. Voilà. Exactement. Où il soutient son conjoint. Et je pense que si on pense, on dit ça, on va tirer le meilleur parti de nos différences. De nos différences. Voilà. Et vous voyez que c'est les différents types ne réunissent pas notre unicité. On est soi, on reconnaît la diversité, la variété est énorme à chacun de nous. Nos comportements habituels n'excluent pas la possibilité aussi d'acquérir des caractéristiques totalement opposées. Oui. C'est ça, si tu fais de moi, tu m'enrichis. Tu m'enrichis. Voilà. Et c'est très, 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 très important. C'est pourquoi il faut parler dans le couple. Il ne faut pas être passif, il faut s'exprimer. Parce que même ce que tu peux dire peut ne pas changer, mais ça peut aider l'autre. Et c'est important, c'est pourquoi il ne faut pas. La politique de la chaise vide, c'est les partis politiques qui le font dans les élections, mais pas dans un couple. Pas dans un couple. Voilà, parce que la décision de l'un va impacter l'autre. Forcément. Voilà, donc il faut toujours réagir, il faut toujours donner son avis, il faut toujours parler, même si on a besoin d'un peu de temps de recul. Là, cela est très, très important. Alors, il commence à pleuvoir à la sept montagnes. Il commence à pleuvoir à la sept montagnes. Nous allons prier pour vous maintenant. Nous allons prier pour vous. Cela est très, 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 très important. Est-ce qu'il y en a qui ont des sujets de prière? Est-ce que vous avez des sujets de prière? Et puis, est-ce que vous retrouvez s'il y a des questions par rapport à. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces cas de figure là?
Voilà, mais si on a ces fondamentaux là, ça sera vraiment très important. Voilà. Est-ce que il y a des questions? Donc vous avez compris que la première étape, reconnaître nos différences. Hein? Ouais. La première étape, reconnaître nos différences. Et cela est très 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 important. Voilà. Ne réunions pas nos différences. Voilà. Vraiment, ça, je veux dire, la variété est énorme à chacun de nous. Voilà. Nos comportements ne doivent pas exclure. Agumani, Ama, Myriam, nous n'avons plus nos activités. Hein? Et vous avez compris que se placer dans une catégorie maman ne signifie pas que nous sommes bloqués à vie dans cette catégorie, dans toutes les situations. Non. Voilà. Tout à l'heure, on l'a dit, celui qui est orienté vers la tâche, hein, peut apprécier les relations, l'introverti peut prendre plaisir avec le comportement de l'extraverti. L'extraverti, oui. Hein, et l'extraverti peut se promener seul, mais nos fondamentaux vont être déterminants pour notre façon de vivre. Donc, nous allons prier pour vous. Nous allons reconnaître nos différences. Reconnaître nos différences. Deux, accepter qu'il n'existe pas une bonne ou mauvaise manière d'être. Voilà, pas une manière qui est meilleure. C'est pas un péché d'être extraverti ou d'être introverti. Trois, l'apport de chacun, faut l'apprécier. L'apport de chacun, faut l'apprécier. Et c'est à la fois valable, mais aussi, ça peut aussi avoir des limites. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, on va prier pour vous. Nous étendons la main sur vous tous qui avez été connectés. Vous tous, priez pour Marc Olivier qui rentre à l'internat. Nous prions pour que Dieu lui donne la sagesse, la protection. Nous prions également pour tous ceux qui ont demandé la prière. Nous prions pour Adjumani, Ama Myriam, pour Ella Sandrine Wessou. Nous prions pour José Albitoden, pour son mari, pour son couple. Nous prions pour Anne Chimenge et Aura. Nous prions pour nous prions pour Sey Bailly. Voilà, Sey Bailly. Sey Bailly, il faut régler la tension. Il y a une tension que le diable veut mettre dans ton foyer. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Je vais vous rencontrer à la montagne demain. Tu peux venir à ton épouse, si vous avez le temps. Josiane Buteau-Den, il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à un terrain. Il faut prier pour ça. Il faut faire une action prophétique avec l'autel en faisant une neuvaine à la Diotokos qui est couronnée de gloire. Marina, lieutenant général qui est connecté, nous prions également pour toi, pour ton couple, pour tes enfants. Florence, non, c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui. Nous prions pour toi. Et elle dit c'est nous faut là, c'est fort. Parce qu'elle dit c'est nous faut elle-même. Ouais, nous rions de toutes ces choses-là. Ouais. Fatima Koulibaly, nous prions pour toi et ton conjoint. Fatima, je sens ton mari très épuisé. Dis-lui de faire attention, je le sens très, très épuisé. Dis-moi là s'il a pris ses congés ou bien ses congés sont à venir. Mais vraiment, il a besoin de repos, il est très, 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 très épuisé. Confirme-moi ça, Fatima, rapidement, confirme-moi ça. Et demande-lui de venir le dimanche, que nous puissions lui mettre de l'huile pour le fortifier. Fatima, c'est Vincent. Hein? Si, si. Ah, c'est je sens ton mari très, très épuisé. Donc, qu'il vienne pour que nous puissions mettre l'huile sur lui. Serge Olivier. Vraiment, tu vas te marier quand? Faut te marier, Serge. Il est en train de chercher l'épouse parfaite. Il n'y a pas d'épouse parfaite. Il n'y a que des hommes qui... Nous voulons également prier pour Léontine de Bonneville. Voilà, nous prions pour que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous prions également pour Ivan Achia. Ivan, maintenant, déclare-toi. Tu es bien installé maintenant au Canada. Pose des actes pour commencer un croix-croix au moins. Voilà, Gérard Capé, nous prions pour toi, pour la grâce du mariage qui est sur toi, par l'intercession de cette grande sainte romaine qui te suit, Chris Deborah, je prie pour toi. Chris Deborah, tu es très, 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 très impulsive. Et ça, tu tiens ça de ta mère. Et ça fait que vos mariages sont toujours en toutes les difficultés. Je prie pour toi. Vous entendez déjà le Père Mathias qui a commencé la liturgie. Tous vos noms sont téléchargés là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui êtes commentés à King Félicia, nous prions pour toi.
Nous prions pour toi. Et nous prions également pour tous ceux qui sont connectés. C'est l'heure de la grâce de Dieu. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Vous tous dont le nom s'affiche. Chantal Anaki, nous prions pour ton foyer. Nous chassons tout esprit. Chantal, vos finances sont éprouvées et les finances créent beaucoup de tensions. Nous prions que Dieu vous restaure. Reviens, toi et ton conjoint, en alliance avec la dîme. Voilà. Et puis, si tu es sur le plateau d'Abidjan, viens me voir. N'oubliez pas, est-ce qu'on peut nous mettre la bande-annonce? Ou bien, on peut nous mettre la bande-annonce de. Nous avons commencé les mardis. Vous tous qui êtes dans la diaspora et vous tous qui êtes en Afrique, n'êtes pas en Côte d'Ivoire, les mardis de 15h à 18h, j'ai les écoutes personnalisées avec vous. 15 minutes avec chacun pour prier, pour prophétiser, pour être à l'écoute de vos besoins, pour la délivrance, pour la restauration, pour la guérison. Donc chaque mardi, c'est vrai que là c'est Tout-Cost Tour. Non, c'est pas Tout-Cost Tour, je ne sais pas si tu n'es pas le spot. Les alliés de Monseigneur Achia, les alliés, tout ça. Audrey, viens nous donner ça, les alliés, mais Tout-Cost Tour, c'est bientôt. Et puis aussi la retraite du désert pour la première fois en Europe à. Maman, tu as dit quelque chose encore? Abanné à Bruxelles. C'est bon, hein. Arlette, je prie pour toi aussi. Arlette, Tiako. Il demande qu'on prie. Voilà, Arlette, hein. N'oubliez pas le Christ, bon berger, donateur de vie, vous accompagne. Et nous sentons avec ce beau témoignage de ton enfant qu'un nouveau cycle a commencé. Donc ne laissez pas le diable rentrer en vous. Florence, bon anniversaire encore. Jean Cablan, bon anniversaire. Vous êtes des enfants merveilleux et votre zèle nous enthousiasme continue à avancer avec le Seigneur. Nous vous bénissons depuis la Sainte Montagne. Nous déposons chacun de vous sur l'autel de la divine liturgie à cette heure de la nuit. Vos vies sont sécurisées, vos finances sont sécurisées, vos conjoints sont sécurisés. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je déclare par la puissance du sang de Jésus qui coule sur l'autel actuellement des jumeaux au nom de Jésus. Pour ceux qui ont des maladies, qui ont des problèmes de dos, une restauration, une guérison complète. Pour ceux qui ont des luttes financières, nous décrétons l'abondance financière et la provision de surnaturel. Pour ceux qui n'ont pas encore une âme sœur, nous décrétons qu'après la fin de cette émission, Dieu vous accorde une âme sœur qui nous appelle, que les chantiers d'amour s'ouvrent, que la grâce coule sur vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bye bye. Amen. L'église orthodoxe Patria Cad Nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest organise l'école de 4 chaises orthodoxes, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. Prédicateur, Monseigneur Sergios Pacomios Maria Achia, la petite mère, Stella Mireille Achia, et le collège des prêtres et des dames apostoliques, 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12, 07 76 54 83 80. L'école de 4 chaises orthodoxes, Saint-Séraphin de Sarov, tous les dimanches à la paroisse Saint-Basile et Thérèse, de 10h30 à 11h30. L'église orthodoxe Patria Cad Nation, province ecclésiastique de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest organise.
Exarchate de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise l'école de mariage Saint-Priscille et Aquila. La plus que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses seaux. Tous les mercredis de 21h30 à 22h30, prédicateur, le couple Achia. En direct sur Facebook Live et YouTube. 01 01 31 51 06, l'école de mariage Saint-Priscille et Aquila.